Bonsoir à tous. Donc, la Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir ce soir pour cette première table ronde de ce cycle Einstein 100 ans après, cycle sur lequel nous avons travaillé avec Aurélien Barraud, le conseiller scientifique. Donc, cette table ronde, vous le voyez dans la plaquette, ce cycle se décline en trois tables rondes autour de la théorie de la relativité générale d'Einstein, théorie qui a été, mais nos invités le reprendront, donc théorisée, théorie qui a été théorisée, vous m'excuserez, c'est l'émotion. Il y a 100 ans maintenant et qui revient dans l'actualité puisque des ondes gravitationnelles ont été mesurées et le papier a été publié en février de cette année. Donc ce soir, nous recevons Laurent Sacco, qui nous fait le plaisir de modérer cette table, journaliste à Futura Science, et comme intervenant, que Laurent vous représentera plus en avant, Richard Taillet et Jean Eisenstedt. Donc maintenant, je vais passer la parole à Laurent, qui vous présentera le déroulé de la table ronde et les moments prévus de débat avec le public. Je vous invite dès maintenant à penser à revenir à la bibliothèque, puisque nous avons préparé une table de valorisation avec, bien entendu, les ouvrages des invités de ce soir, mais aussi d'autres ouvrages, et à consulter notre site web où des collègues ont monté tout un dossier pour vous présenter la théorie de la relativité générale, voilà, de façon simple et avec des vidéos. Merci à tous, à plus tard. Alors, oui, bonsoir à tous, merci d'être venus. Alors, on va essayer de vous parler de la réalité générale et puis aussi de la détection des ondes gravitationnelles. Alors, il y a à peu près un siècle, effectivement, une des plus grandes aventures intellectuelles qui a entrepris la science, je pense, est arrivée à terme. Et Albert Einstein a mis un point final à sa théorie que beaucoup, je crois, de scientifiques considèrent comme l'un des plus son chef-d'œuvre, la théorie de la réalité générale. Donc, on a fêté le centenaire puisqu'il a fait ça fin de l'année 1915, donc on a fêté ça l'année dernière. Et la chance ou le hasard a voulu que l'une des prédictions les plus extraordinaires de la théorie d'Einstein, qui est celle de l'existence d'ondes gravitationnelles, s'est trouvée vérifiée avec une expérience qu'on appelle LIGO. Alors, toute cette grande histoire et toute la théorie de la réalité générale, nous avons deux invités qui sont ici pour vous la présenter. Donc, il y a à ma droite Richard Taillet, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Savoie. Il est aussi membre du laboratoire de physique théorique d'Annecy. Et Richard travaille sur la matière noire et les rayons cosmiques. Il est aussi très soucieux de l'enseignement et de la vulgarisation scientifique. Il a un très grand succès sur Internet avec des cours de physique qu'il a mis sur YouTube, qui sont vraiment excellents, je vous les recommande. Et notamment, il parle de la réalité générale qu'il a enseigné à l'École normale supérieure de Lyon. Nous avons aussi Jean Eisenstedt, qui est directeur de recherche émérite au CNRS et qui, lui, s'est occupé de l'histoire de la théorie de la relativité générale. Il est aussi physicien et il va donc nous parler un peu de l'histoire de la théorie de la relativité générale des ondes gravitationnelles. Je crois que c'est important parce qu'il y avait un grand philosophe français du 19e siècle qui s'appelait Auguste Comte qui a dit, grosso modo, la chose suivante, on ne comprend pas vraiment une science tant qu'on n'en sait pas l'histoire. Et je crois que c'est assez vrai, donc c'est important que nous ayons l'éclairage de Jean Eisenstedt et qui va compléter donc ce dont va nous parler Richard Taillet. Alors, pendant une heure et demie, donc, on va parler donc, des ondes gravitationnelles, de la réalité générale, et puis il y aura une série de questions après. Mais on aura aussi quelques questions que vous pourrez poser pendant cette heure et demie. Donc, je pense que je vais laisser la parole à Richard, qui va commencer par vous présenter quelques-unes des idées centrales de la théorie de la réalité générale. Alors, bonjour tout le monde. Alors ça va être un petit peu abrupt, je vous préviens, parce que vous êtes là, vous avez vu le titre « Les ondes gravitationnelles », et là, paf, vous allez vous taper un cours de relativité générale. Alors ça ne va pas être tout à fait ça, mais juste patientez un tout petit peu, on va parler vraiment d'ondes gravitationnelles dans pas longtemps, mais on a vraiment besoin, avant ça, à la fois moi et Jean, de vous parler de la théorie de la relativité générale, qui est, on a vraiment besoin de ça pour comprendre ce que c'est qu'une onde gravitationnelle. Donc, partez pas tout de suite, vous êtes venu pour le bon truc, mais il va falloir patienter un petit peu. Donc, je vais, pendant quelques minutes, vous exposer une vision un petit peu générale de ce qu'est la relativité générale, en des termes le moins technique possible. Et en fait, c'est juste une idée que je voudrais faire passer. L'idée, c'est la suivante. Quand on essaye de décrire la gravitation, vous savez tous ce que c'est. Alors, j'ai amené un stylo exprès. Regardez, hop, il tombe et je le rattrape. Ça, j'ai répété super longtemps. On lâche quelque chose, il tombe. D'accord ? On décrivait ça
avant Einstein, on va dire, par le fait que la Terre attire le stylo et donc exerce une force sur le stylo qui le fait tomber vers le bas. Ça, c'est une vision, j'allais dire, qui est naturelle. J'en sais rien, ça dépend des gens. Moi, je trouve ça assez naturel, mais bon, voilà. L'objet est attiré vers le bas. La relativité générale, c'est une théorie de la gravitation qui décrit les choses de manière complètement différente. Si le stylo tombe, ce n'est pas parce qu'il y a une force qui s'exerce sur lui, c'est pour une autre raison, et c'est cette raison que je vais essayer de vous expliquer. Pour ça, il y a un premier mot qu'il faut que j'emploie, c'est le mot espace-temps. On sait depuis le début du XXe siècle qu'il est extrêmement pertinent de décrire l'espace et le temps comme des quantités qui sont sur un certain côté qui jouent un rôle très similaire. Ça, c'est la théorie de la relativité restreinte de Albert Einstein qui nous dit ça. Quand on veut décrire le monde dans lequel on nous entoure, le monde qui nous entoure, on a intérêt à traiter le temps un petit peu comme une coordonnée spatiale avec des propriétés qui lui sont propres, mais qui a certaines autres propriétés qui les rapprochent des propriétés spatiales. Bon, tout ça pour vous dire que on décrit le monde dans lequel on vit dans un espace-temps à quatre dimensions. Quatre dimensions, parce qu'on a trois dimensions d'espace. La pièce dans laquelle on se trouve ici a trois dimensions d'espace. En gros, le haut, la droite et l'avant, l'arrière. Voilà, on a trois directions comme ça. Plus le temps qui fait une quatrième dimension. Alors, à ce stade, vous pouvez vous dire, là, j'arrive pas du tout à me représenter votre espace à quatre dimensions. Là, c'est mort. Vous inquiétez pas, personne n'y arrive. Il ne s'agit pas de se le représenter. Il s'agit de le décrire formellement, de le décrire mathématiquement, et quand les physiciens le font, ils arrivent à décrire la nature de manière beaucoup plus satisfaisante qu'en ne le faisant pas. Mais encore une fois, n'allez pas penser que c'est un handicap de ne pas se le représenter. Moi, je connais pas de, j'ai pas de collègue qui travaille sur ça, qui peut se représenter un espace-temps à quatre dimensions, ou en tout cas en parler de manière simple. Bon. Cet espace-temps à quatre dimensions, celui qui est introduit par la relativité restreinte, Einstein a l'idée, donc ça, Jean nous en parlera beaucoup, mais a l'idée d'en faire quelque chose qui peut être éventuellement courbé, qui peut être éventuellement élastique. Et quand on a cette idée-là et qu'on l'applique effectivement, on s'aperçoit qu'on peut décrire la gravitation comme une courbure de l'espace-temps. Je vais vous montrer quelques schémas pour illustrer ça. Et je vais commencer par ça. Et pas du tout par ça, c'est par ça que je veux commencer. Voilà. Je vais le mettre en plein écran. Alors, vous avez un pingouin. Alors, le pingouin, c'est parce qu'il est au pôle Nord. La sphère qui est ici, c'est pas mal de se l'imaginer comme étant la Terre, mais ça peut être n'importe quelle sphère. Je vais essayer de vous décrire ce qu'on appelle la courbure d'une sphère. Alors, voilà, vous dites peut-être, mais on sait très bien ce que c'est une courbure, c'est un truc qui est courbé, etc. Ok, vous savez peut-être, mais je vais vous le redire autrement, et vous allez voir que la manière dont je le présente ici a quelques avantages. Vous êtes un pingouin. Comment insulter son auditoire au bout de 3 minutes? Vous êtes un pingouin et vous êtes au pôle Nord, et vous dites, tiens, je vais tracer un cercle sur la planète sur laquelle je suis. Vous ne savez pas forcément qu'elle est courbée, ronde ou je ne sais pas quoi. Vous êtes sur votre planète et vous dites, je vais tracer un cercle d'un certain rayon et je vais mesurer la longueur de ce cercle. D'un certain rayon, ça veut dire que votre pingouin, il avance d'une certaine distance sur ses petites pattes. Il fait ici, par exemple, 10 000 km, paf. Et ensuite, il fait un demi-tour de 90 degrés sur le côté et il avance tout droit. Et il décrit un cercle, le cercle jaune qui est ici. Si vous avez été attentif quand vous avez appris les maths, vous vous rappelez certainement qu'il y a une relation entre la longueur du cercle jaune qui est ici et son rayon. Vous vous rappelez certainement que la circonférence, c'est 2 pi fois le rayon du cercle. Ça vous dit quelque chose, ça? Eh bien, c'est faux. Le piège. Ça, c'est vrai quand on est sur un plan. C'est la géométrie plane, celle qu'on fait au tableau, à la craie. Quand on est sur une sphère, c'est plus vrai. Et le rayon du cercle qui est ici est en fait plus... Pardon, la circonférence du cercle est plus petite que 2 pi fois son rayon. En fait, c'est ça... Pour les mathématiciens, ou en tout cas pour les mathématiciens les physiciens qui s'intéressent aux mathématiques qui vont être utiles dans la suite, c'est ça qui caractérise une surface courbe. Une surface est courbe quand les distances qu'on y mesure ont des relations bizarres, dans le sens que, par exemple, la circonférence d'un cercle n'est pas égale à 2 pi fois le rayon, mais peut être plus petite ou plus grande pour certaines autres surfaces que celle-ci. Ça, c'est la courbure. C'est ça qu'on appelle la courbure ici d'une sphère.
Alors, on vous parle, on montre souvent un dessin comme ça, on fait un raccourci ensuite quand on raconte l'histoire que je suis en train de vous raconter en disant bah voilà, l'espace-temps c'est un truc, c'est une surface, la courbure sur cet espace-temps, ça va être ça qui va décrire la gravitation, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, et on vous montre ce dessin-là. Ce n'est pas une sphère, mais on vous dit, ben voilà, quand il y a une masse, on a en quelque sorte un tissu de l'espace-temps qui est à peu près plat ou qui est plat. Et puis quand on met une masse, eh ben ça crée l'espèce d'entonnoir qui est ici. Alors, avant même de vous dire pourquoi c'est pertinent, quel est le lien entre gravitation et courbure, je veux quand même insister sur le fait que ça, c'est complètement débile. Mais vraiment, alors pour plusieurs raisons, ce qu'on vous montre ici, la figure qui est ici, elle a effectivement une signification. On peut lui en trouver une qui est correcte. Mais dans ce cas, ce qui est représenté ici, ce n'est pas l'espace-temps du tout. C'est l'espace. Et encore, c'est une partie de l'espace. Donc si on veut décrire une partie de l'espace en relativité générale, on tombe effectivement sur quelque chose qui est ici. Mais il ne faut surtout pas imaginer que la relativité générale, ça nous dit, bah voilà, on met une masse au milieu de ce drap, ça tend le drap, et du coup, une bille qu'on pose sur le côté, elle se met à tomber dans le creux. Ce n'est pas du tout ça. On mettrait la figure dans l'autre sens avec l'entonnoir vers le haut, ça décrirait de la même façon une attraction vers le centre de l'entonnoir. Ça, je tenais à le dire parce que pour faire de la pub pour Silog en fait. Mais bon, ça, c'est un autre. Sur le bloc qui est là-haut, c'est décrit précisément. Je le mets aussi pour si vous avez des questions après, ça pourrait être un support peut-être intéressant pour les questions. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, tenter de vous expliquer pourquoi cette courbure, effectivement, peut s'interpréter comme la gravitation. Est-ce que j'arrive à parler en attendant que mon clic fasse quelque chose? Ouais. Vous voyez ce que je fais? Ah oui, vous voyez tout ce que je fais en plus. Donc, j'ai essayé d'être hyper discret, genre le gars qui gère, mais pas du tout. Et pourquoi non? Ouvrir avec. Alors quand ça marche pas, il faut parler en même temps qu'on fait les trucs. Non, mais il veut pas. Ok, je vais ouvrir avec autre chose. Là, il y a un technicien qui est en train de paniquer. Là-bas, mince, ça marche pas. Ok, on va essayer comme ça. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est une petite animation que j'ai faite avec mes petites mains. Alors, je n'ai pas pu me modéliser les pingouins, donc il faudra les imaginer, mais essentiellement, vous allez avoir deux pingouins qui vont marcher, ils vont partir du même point, ils vont partir dans des directions légèrement différentes, à la même vitesse, et ils vont marcher le long de leur planète. Donc, les traits bleus que vous allez voir ici, ce sont des pingouins en train de marcher. Et ils marchent tout droit. Ils suivent leurs petites pattes, ils vont ni à droite ni à gauche, ils vont vraiment tout droit dans la direction initiale. Voilà. On les voit avancer. Ils vont tout droit, ils vont tout droit, donc forcément ils s'écartent les uns des autres. Sauf que si on attend suffisamment longtemps, ben on voit que tout en marchant toujours tout droit, ben ils finissent par se rapprocher les uns les autres. Et ils finissent même, dans le cas de la figure qui est ici, de la situation qui est là, à se rencontrer. Salut, salut. Là, les deux pingouins, ils ont vraiment marché tout droit, tous les deux. Ils sont partis dans des directions différentes et ils ont fini par se rejoindre l'un l'autre. S'ils devaient raconter l'histoire de ce qui est arrivé, les deux pingouins racontent la même histoire. Il y en a qui dit ben, « je suis allé par là-bas, j'ai vu l'autre partir dans cette direction-là, puis d'un coup, paf, il m'est arrivé dessus. » Le deuxième pingouin dit la même chose. S'ils veulent raconter une histoire commune, ils se diront ben, « on s'est attiré l'un vers l'autre, en fait. On a essayé de marcher tout droit, mais on a été attiré l'un par l'autre, et du coup, même si on était parti avec des directions différentes, on a fini par se re-rencontrer. » La relativité générale, c'est vraiment comme ça que ça décrit l'attraction gravitationnelle. En fait, il n'y a pas d'attraction. Vous avez des corps qui se déplacent sur ce qui ressemble plus à des lignes droites sur des surfaces qui sont courbées. Et ces lignes droites sur des espaces courbés, c'est exactement ce qui est ici. Ben parfois, ça finit par rapprocher les trajectoires. Donc c'est la gravitation, le fait que les corps finissent par s'attirer l'un l'autre, ce n'est pas une force, d'après la relativité générale, c'est une propriété de l'espace-temps sous-jacent qui est courbe. D'accord ? Et pour en terminer avec cette histoire-là, qu'est-ce qui fait que l'espace-temps est courbé ? Et ben c'est précisément la présence de masse. Quand vous avez une masse quelque part, ça courbe l'espace-temps, et donc ça dit aux lignes droites qu'elles doivent faire des trajectoires bizarres et éventuellement se re-rencontrer. Voilà. Donc je ne vais pas être tellement plus long que ça, vous êtes probablement très frustrés par cette description un peu imagée, mais tant mieux, comme ça vous aurez des questions. Et je vais laisser la place à Jean pour les aspects historiques de ça.
Je me souviens que pendant ma lune de miel en 1913, j'avais mis dans mes bagages quelques tirés à part des articles d'Einstein qui, au grand dam de mon épouse, ont absorbé mon attention pendant des heures. Ces papiers me semblaient fascinants, mais difficiles et presque effrayants. Lorsque j'ai rencontré... Ah, pardon. Décidément. Lorsque j'ai rencontré Einstein à Berlin en 1915, la théorie... Ah, c'est là. La théorie était très perfectionnée et couronnée par l'explication de l'anomalie du périhélie de Mercure découverte par Le Verrier. Je l'ai comprise non seulement grâce aux publications, mais aussi grâce à de nombreuses discussions avec Einstein. Ce qui eut pour effet que je décidais de ne jamais entreprendre aucun travail dans ce champ. Les fondations de la relativité générale m'apparaissaient alors et encore aujourd'hui comme le plus grand exploit de la pensée humaine quant à la nature, la plus stupéfiante association de pénétration philosophique, d'intuition physique et d'habileté mathématique. Mais ces liens à l'expérience étaient ténus. Cela me séduisait comme une grande œuvre d'art que l'on doit apprécier et admirer à distance. Bien, vous avez compris que ce n'était pas moi, c'est Max Born, qui était un très grand ami, le meilleur ami d'Einstein, qui venait de disparaître en 1955 quand Born, à Berne, participait à la première conférence sur la relativité et Einstein venait de mourir. C'est donc pas quelque chose d'agressif qu'il faut voir là-dedans, mais sa vraie pensée, c'était quelqu'un de parfaitement honnête et il résume très bien ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est-à-dire pourquoi on ne comprend pas. Je crois qu'on peut préciser aussi que Max Born était l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Il a eu le prix Nobel, donc c'était quelqu'un qui, a priori, était particulièrement bien placé pour comprendre la théorie de la réalité générale, mais même quelqu'un comme lui avait des difficultés et était très impressionné par la théorie. Oui, mais enfin bon, on peut encore dire d'autres choses, c'est que les quanticiens étaient très peu intéressés par la relativité générale jusqu'à aujourd'hui. Bien. La relativité générale aujourd'hui, tout à fait autrement, ça marche, n'est-ce pas? Au-delà des années 60, émerge un nouveau champ, l'astrophysique relativiste. La relativité générale, qui jusqu'alors n'avait eu pour champ que le champ newtonien, c'est-à-dire les planètes, le Soleil, avec des tests, j'insisterai là-dessus, extrêmement faibles, ce sont des champs gravitationnels forts. Et c'est en 1963, je ne sais plus où, bon, mais qu'importe, en 1963, à Dallas, qu'une conférence réunissant des relativistes et des astrophysiciens va faire une révolution qui est la révolution de l'astrophysique relativiste et ça sera la découverte des quasars, plus tard des trous noirs, bref, des objets qui sont extrêmement massifs et qui vont permettre de mettre en valeur les qualités et l'intérêt de la relativité générale. En 1912, Planck vient voir Einstein à Prague, justement, où il lui propose de travailler à Berlin. Et Einstein, en effet, sera à Berlin à partir des années 15. Et il lui dit... Tout est désormais si bien en place. La relativité restreinte. La relativité restreinte, il n'y a pas de gravitation, n'est-ce pas? Et c'est juste la théorie qui remplace celle de Galilée, l'addition des vitesses, et dans laquelle il y a la vitesse de la lumière. Et c'est ça qui change tout. La vitesse de la lumière, n'est-ce pas? Ça va être le cône, je vais en parler tout à l'heure. Je préfère vous mettre en garde en tant que vieil ami expérimenté. Pour commencer, vous n'y arriverez pas, n'est-ce pas? Et même si vous y arrivez, personne ne vous croira. Bon, vous voyez, on en était. Einstein avait une tête de cochon et donc il a continué à travailler pendant des années jusqu'en 1915 où la théorie a fini par se développer et que les équations de champ sont arrivées à terme et à expliquer, j'en parlerai plus tard, le périhélie de Mercure. Alors ça, c'est l'histoire de la relativité générale pendant 50 ans. Depuis 1915, en fait ça commence en 1907 pour être précis, mais enfin c'est en 1915 que les équations de champ arrivent. Et comme vous voyez, ça ce sont les publications en pourcentage des publications en physique, 2,5%,
hein, d'après Physico l'abstract. Et vous voyez une courbe qui montre à quel point la relativité générale a eu du mal à vivre pendant toutes ces périodes. Puisque en 1919, j'en parlerai, ce sera la gloire d'Einstein, la déviation de la lumière, et une de la vérification qui se fera au Brésil en particulier. Et puis ensuite, vous voyez la dégringolade de l'intérêt des gens, comme Born l'avait prévu. Et ça va durer jusqu'aux années 50, 60, 70. En fait, la relativité générale, pendant toute cette période, va vivre une crise extrêmement pénible qui va finalement se délier dans les années 60, 70, sinon même 80. D'une certaine manière, la relativité générale telle que vient, on vient de vous l'expliquer, n'existe qu'à partir vraiment, c'est-à-dire où on a vraiment vu la courbure, ce qu'on appelle la topologie, c'est-à-dire une structure qui n'est plus une structure plane, n'est-ce pas ? C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas dessiner sur une feuille de papier ce qui se passe. Et donc, on ne peut pas l'imaginer. Et en fait, les gens jusqu'alors avaient une vision encore newtonienne, je dirais néo-newtonienne, de la relativité générale. Et ce n'était pas son essence. Son essence, ce sera simplement, à partir des années 60, 70, 80, enfin aujourd'hui, une vision vraiment riemannienne, c'est-à-dire avec une géométrie complètement différente qu'on vient de vous exposer rapidement. Et ça, ce n'était pas une chose très simple à penser. Alors la solitude, la grande solitude des relativistes à cette époque, n'est-ce pas, Peter Bergman, que j'ai d'ailleurs connu, qui était un élève d'Einstein, voyez, vous n'avez qu'à savoir ce que faisaient vos six meilleurs amis et vous saviez tout ce qui se passait en relativité générale. Il exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Alors, comment se construit la théorie? Bon, c'est d'abord une théorie relativiste de la gravitation, c'est-à-dire que on a la relativité restreinte avant, c'est-à-dire l'importance de C, on n'est plus dans Galilée, on n'est plus dans Newton, on n'ajoute plus les vitesses, que ce soit les vitesses matérielles ou les vitesses de la lumière, de la même manière. Le problème, c'est que la vitesse de la lumière est limitée, elle est toujours égale à C dans le vide. Et ça, c'est incompatible avec Galilée. N'est-ce pas ? Parce que quand on ajoute, on met un faisceau sur un train ou sur une fusée, c'est toujours C. N'est-ce pas ? Et ça ne marche pas lorsqu'on ajoute les vitesses. C plus V égale C. Et ça, c'est la théorie, ce sont les équations de Lorentz, c'est-à-dire que ça change absolument tout. Ce qui change tout, c'est justement C. Que C est une importance dans la structure de l'espace. Bon. Alors, il y a d'autres principes sur lesquels Einstein s'appuie. C'est un homme de principe, le principe de Mach. Ça veut dire qu'il n'y a finalement de gravitation, de champ de gravitation, que s'il y a des masses, et l'espace vide n'existe pas d'une certaine manière pour lui. Et même un espace avec une seule masse n'a pas de sens. C'est ça qu'il aurait voulu. En fait, le principe de Mach n'est pas contenu maintenant. C'est ce que pensent les relativistes dans la relativité générale. Il n'est pas arrivé à bout. Il a dû changer son fusil d'épaule. Alors, le principe d'équivalence, on vous en a parlé tout à l'heure, c'est que tous les corps tombent de la même manière. Et ça, c'est non seulement l'expérience de Pise, de Galilée, que vous connaissez sans doute, on vous en a fait l'expérience tout à l'heure, dans le vide, tout tombe de la même manière. Mais tout tombe de la même manière, absolument, tous les matériaux, hein, et c'est encore vrai aujourd'hui. Et au lieu d'être une conséquence de la théorie, c'est un principe pour Einstein. C'est-à-dire que si le principe d'équivalence se casse la figure, tout est fichu. Donc, il tient à ça, et ça va être le pilier essentiel de la théorie. Bon, il y a le principe de covariance, mais ça c'est juste un détail, c'est la manière, c'est une machine qui permet de passer d'un système de coordonnées à l'autre. Parce qu'un des problèmes de la relativité générale, contrairement à Newton, on vous parlait tout à l'heure de trois dimensions et du temps. Pour Newton, il y a un temps absolu, hein, c'est le temps à l'infini, le bon Dieu tient sa pendule. Et puis, il y a une distance, une trois distances, c'est-à-dire la longueur d'une règle. Il n'y a plus ça, ça n'existe plus en relativité générale. Vous n'avez plus une longueur de règle, ça n'a pas de sens. La seule chose qu'on ait, finalement, c'est le temps propre, c'est-à-dire le temps que votre montre indique et qui est le vôtre. Chacun a son temps. Et le problème de la relativité générale, c'est justement de faire la carte de l'ensemble des trajectoires possibles d'un espace particulier, c'est-à-dire toutes les trajectoires possibles de l'univers, et puis de les mettre dans un même système. Et ça, c'est comme ça qu'on construit un espace de relativité. N'est-ce pas ? Mais chacun a son temps et le problème c'est de coordonner tout ça et c'est pas très simple. Bon,
Alors ces espoirs, bon, c'est une théorie relativiste, c'est-à-dire qui contient C, disons, pour aller vite, de la gravitation. Et puis, il y a une chose qui est inexpliquée depuis 50 ans, ou mal expliquée, qui déçoit tout le monde, c'est que le périhélie de Mercure, c'est-à-dire un point sur l'orbite de Mercure, va avoir une avance de 43 secondes d'arc par siècle. Alors, vous savez ce que c'est qu'une seconde d'arc sur le cercle. Une minute, c'est sur 360. Et puis, à l'intérieur de la minute, il y a encore des secondes, etc. Et ça, c'est par siècle. C'est-à-dire, c'est tout à fait ridicule. Mais ça montre... C'est un cheveu tendu à bout de bras, en gros. Voilà. Bon. Et ça, ça montre à quel point la théorie de Newton marche bien. C'est le seul point noir de la théorie de Newton. Et donc, ça montre le problème que la théorie de la relativité générale va avoir à résoudre, c'est-à-dire de se faufiler là-dedans pour faire quelque chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 1915, quand il sort ses équations de champ, il va avoir ses 43 secondes. Et c'est, ça va être le point, le seul point, j'insiste, jusqu'aux années 60, qui permettra à la relativité générale de tenir la route face à Newton. Vous pensez bien qu'un tas de gens n'avaient aucune envie de se fatiguer là-dessus, et les Newtoniens ont continué à régner, et on n'avait pas besoin de la relativité générale, on ajoutait un petit terme quand on en avait besoin, et c'était tout. Bon, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a deux autres tests, c'est les trois tests classiques qu'Einstein pense dès 1907, c'est-à-dire bien avant que la théorie soit faite, il a déjà cette idée. Donc le périhélie, ça lui a servi de repère. Deuxièmement, la déviation des rayons lumineux, c'est-à-dire que les rayons lumineux, contrairement à la manière dont on voit les équations de Newton, n'est pas soumise à la gravitation. Pour lui, oui, il y a une courbure, et ça ne sera vraiment mesuré qu'en 1919. Ça sera contesté ensuite, j'y reviendrai. Et puis le décalage gravitationnel des raies, c'est-à-dire que les fréquences sont sensibles elles-mêmes à la gravitation, c'est-à-dire un atome qui va pulser, si vous voulez, s'il est près d'une masse, il pulsera d'une manière différente. Et ça, on n'est pas arrivé à le mesurer avant 1959. Et on n'avait pas de retard. On a trouvé, c'est Fraunhofer, deux ans avant, qui a trouvé la technique qui a permis ça. Mosbauer, pardon, merci. Bon. Donc, des tests très faibles, et ça, c'est le grand problème de la théorie. Bon, ça, c'est 1919. C'est l'image de l'expédition de 1919 qui s'est faite en deux points, une fois au Brésil, et puis à Principe, en Afrique. Mais c'est au Brésil que le temps était le meilleur. Et en effet, on est sorti de là avec quelque chose qui semblait être tout à fait cohérent avec la théorie, mais qui a été ensuite discuté longtemps. Ça tenait, mais ça tenait pas terriblement bien, en fait. Bon, ça, c'est l'expérience de Paul-Dremka, 1959. C'est le moment où, pour la première fois, on a eu une expérience qui a permis de détecter le décalage des raies sur 10 mètres à Harvard. Et ça, c'est l'expérience de Paul-Dremka qui s'est faite. Et là, ça a été un virage. Les gens ont soupiré. Voilà, vous voyez, Shield, qui est un relativiste, il a découvert la Lune. Voici des jours excitants, la théorie de la gravitation d'Einstein, sa théorie générale, est passée du royaume des mathématiques à celui de la physique. On croirait la Bible, n'est-ce pas ? Après 40 ans de contrôle astronomique maigrement parsemé, c'est pas très bien traduit, nouvelles expériences terrestres sont possibles et sont projetées. En fait, il y en aura fort peu. Très difficile. Alors, quelles sont les difficultés de la relativité générale ? Parce que c'est ça le point fondamental. C'est difficile pour vous, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour les étudiants, c'est difficile pour tout le monde. On a du mal à se la représenter. Mais il ne faut pas oublier qu'une théorie, c'est une représentation du réel. Ce n'est pas la vérité. La théorie de la relativité générale, Einstein le sait depuis très longtemps, et puis pas seulement lui, elle va mourir comme la théorie de Newton a été remplacée par la sienne. Et on attend ça, enfin, tous nos collègues, n'est-ce pas, ceux qui font des cordes ou des choses de ce genre, ils n'attendent qu'une chose, c'est placer leur théorie pour remplacer la relativité générale. Pourquoi ? Parce que la relativité générale, elle n'est pas quantique, elle ne s'intéresse pas à l'atome. Ça ne fait pas partie de son champ. Il n'y a pas ça m'échappe. Excusez-moi, toutes les interactions nucléaires,
n'est-ce pas? C'est l'interaction forte, l'interaction faible, etc., électromagnétique, ce n'est pas dans la théorie. Donc, il faut construire une théorie unitaire. Et ça, c'est le grand projet d'aujourd'hui. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la vitesse de la lumière intervient dans la définition d'espace-temps, c'est fondamental. Les coordonnées, hein, ce qu'on appelle les coordonnées, c'est-à-dire x, y, z, t de Newton, ça n'existe plus. Ça n'a pas de sens physique. C'est difficile d'en faire son deuil. Et en fait, le problème, c'est la complexité des équations. Ce sont des équations à 10 variables sur un espace courbe. Ce n'est pas simple à résoudre. On a très peu de solutions exactes et c'est la seule manière de comprendre. Bon. L'approximation, la proximité de la théorie de Newton, ça, vous l'avez, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment la pierre d'achoppement. C'est un gros, gros problème pour la relativité générale parce qu'elle n'a pas de place pour se développer. Bon. En plus, c'est une théorie qui est infiniment plus simple, la théorie en 1 sur R2, hein, les équations, tout ça, par exemple, on sait fort bien les équations exactes de deux corps qui tournent l'un autour de l'autre. On n'a pas ça en relativité générale aujourd'hui. On a simplement le problème à un corps qui est résolu. Le problème à deux corps n'est pas résolu et le problème à trois corps n'est résolu ni par la théorie de Newton, ni par la... d'une manière exacte. Hein. Il est résolu d'une manière approximative. Bon, mais plus grave, c'est que la plupart des physiciens, quasiment tous, sont des newtoniens. Donc ils ont beaucoup de mal, n'est-ce pas, comme nous tous, à passer d'une représentation à une autre. Et ça, c'est vraiment un des problèmes. Bon. Et du coup, va se développer une interprétation néo-newtonienne. Alors pourquoi j'ai sorti le cône? Parce qu'au lieu d'avoir un espace, n'est-ce pas, qui prend toute la feuille blanche, voyez, c'est simplement ce qui est à l'intérieur, au-dessous et au-dessus, qui est physique. On n'a pas le droit d'aller dans ce qu'on appelle l'ailleurs, c'est-à-dire tout ce qui est blanc. Hein, parce que la vitesse de la lumière l'interdit, puisque la vitesse de la lumière est finie. Voilà les équations, ça c'est juste pour vous amuser. Hein, mais bon... Bah, ça amuse les chers collègues qui essaient de trouver des solutions, ça m'est arrivé. Bon, donc une interprétation. Alors voilà Newton, bon ça j'en ai déjà parlé. On en reparlera parce qu'il y a des petites collines. Et ces petites collines, c'est justement le moment où les gens vont réfléchir à la théorie et la cosmologie va servir. Bon, alors en fait on peut diviser ça en plusieurs étapes, mais enfin bon, c'est pas fondamental. Bon, j'ai appelé ça l'étiage, n'est-ce pas ? C'est la relativité générale à l'étiage, c'est le plus bas niveau d'un fleuve. Et je dois dire que quand j'ai sorti ça, bon, c'est passé dans les publications, mais les collègues relativistes qui n'est-ce pas, avaient travaillé depuis longtemps là-dessus avaient du mal à accepter aujourd'hui. Maintenant, c'est quelque chose qui est banal. Voilà, ça c'est Eddington qui avait organisé l'expédition de 1919. Et puis il y a Freundlich qui est un de ses collègues et un de ses concurrents qui va aller à Sumatra et qui va trouver des résultats qui ne sont pas cohérents. Bon, on a beaucoup discuté là-dessus, mais disons que déjà, vous voyez, dans les années 30, la déviation des rayons lumineux, le deuxième test, était contestée. Idem pour en 1955 pour le troisième test. Et du coup, en 1955, c'est 56, mais en fait c'est à Berne en 55, quand Born parle, Trompleur qui fait le point devant tous les relativistes et des gens... vous voyez, la confirmation de la théorie par les observations solaires n'est pas très convaincante et c'est tout ce qu'on avait. Bon, vous voyez le drame que c'est pour les gens qui travaillent là-dessus. Bon. Alors, bon, le manque d'expérience, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai cité Born, ses liens à l'expérience étaient ténus. Et même Einstein est d'accord. La théorie de la relativité générale a joué un rôle modeste. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Bon. Et puis, il y a eu aussi le retour de bâton par les gens, disons, qui viennent du quantique, qui sont dans le quantique, comme Dicke, qui est dans le coin, là. Vous voyez, le nombre de papiers expérimentaux, un flot de publications théoriques et formel, c'est pas très gentil. Un monument de spéculation mathématique, ce qui n'est pas faux. C'est une théorie très mathématique. Il n'est pas le seul. Curtis, qui est un astrophysicien, dit que en 1920 à Londres, quand les gens ont pensé, n'est-ce pas, qu'il est les physiciens qui devaient se taper la théorie des tenseurs, ce qui n'est pas si compliqué pourtant, ça a été la panique. Hein. Je n'invente rien. Et Curtis, qui est aussi un astrophysicien, une théorie bizarre, astucieuse, ce n'est pas la vraie représentation, n'est-ce pas? Les gens sont conservateurs et en plus néo-newtoniens, évidemment. Je suis un hérétique, écrivait Curtis, qui était aussi un astrophysicien. Vous voyez à quel point il y avait de l'agressivité dans l'air. Bon. Alors,
En fait, on manque de concepts. Le concept dont je vous parlais tout à l'heure, votre montre, le temps propre, c'est le seul concept défini d'une manière absolument générale et invariante dont on puisse, avec lequel on puisse vraiment travailler. La masse n'est pas bien définie aujourd'hui. L'espace-temps n'est pas bien défini non plus, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une singularité, j'en parlerai tout à l'heure. Une singularité, c'est vraiment un des points qui définit l'espace-temps, la fin de l'espace-temps. Alors ça, vous voyez, Bondy et Singe étaient deux relativistes très brillants, ils font une discussion, et puis Bondy, vous voyez, la théorie newtonienne est hautement satisfaisante, et ça, c'est ce que raconte un relativiste. Bon. Alors là, c'est Oppenheimer qui, lui, justement, s'intéressait en particulier à la cosmologie et qui va avoir un... il va trouver une manière de comprendre ce qu'on appelle l'effondrement gravitationnel, grâce en particulier à Lemaître. Et il exprime ça très bien. C'était si nouveau, si obscur, n'est-ce pas, pour lui, si difficile à comprendre. Donc, ce n'est pas étonnant si nous-mêmes, on a du mal encore aujourd'hui. Et Singe, qui est un très grand bonhomme, que j'aime bien, les astronomes pensent toujours en termes de concepts pré-relativistes, c'est-à-dire qu'ils sont newtoniens. Voilà. Vous voyez, des conceptions métaphysiques. Bref, des citations comme ça, il y en a partout. Et vraiment, la situation, moi je l'ai connue, parce que j'ai commencé à travailler il y a un moment, et justement sur ce genre de choses, j'aime mieux vous dire qu'on n'était pas très aimés par nos collègues quanticiens. Hein, il ne fallait surtout pas faire de relativité générale, et des relativistes très connus comme Sorn par exemple, on lui a dit, il ne faut pas y aller, hein. Il ne faut pas travailler en relativité générale, c'est vraiment un massacre, vous allez ruiner votre carrière. Bon, alors je voudrais quand même parler, parce qu'on parle aujourd'hui des ondes gravitationnelles, je voudrais parler des trous noirs, parce que les trous noirs, ça a été la porte fermée pendant 650 ans. N'est-ce pas ? Et lorsqu'elle s'est ouverte, justement, grâce aux travaux de Lemaître en particulier et d'Oppenheimer, ça va obliger les gens à penser la relativité générale autrement, c'est-à-dire de passer du newtonien, du néo-newtonien, au riemannien, c'est-à-dire les problèmes. Je vais aller très vite, mais malgré tout, alors c'est Schwarzschild qui a trouvé la solution. La solution, vous voyez, c'est la meilleure solution trouvée en 1915 par Schwarzschild, juste avant de mourir. Et vous voyez, il y a un terme là qui va devenir 1 moins 2m sur R, ça s'annule. Et un terme qui s'annule, il devient infini quand il est 1 sur 0. Et ça, ce qu'on appelait la singularité, ça va être la porte qui va fermer, je vais vous montrer comment. Vous voyez, ça par exemple, c'est le dessin des trajectoires lumineuses par un type qui a fait l'intégration de toutes les trajectoires possibles de cette solution que je vous ai montrée, qui est juste la solution, disons, du Soleil, hein, d'une masse ponctuelle, n'est-ce pas ? En fait, c'est une masse ponctuelle. Et comment elle structure l'espace ? Eh bien, vous voyez, le rond à l'intérieur, il est fermé, on ne peut pas rentrer dedans, c'est la singularité. Et ça, ça va être une doxa. Ça veut dire que tout le monde va y croire, personne jusqu'à Lemaître, qui ne va pas être entendu d'ailleurs tout de suite, va dire, et même des gens, de Gens par exemple, va rentrer en fait, dans ces équations, il va rentrer dans la singularité, hein, mais il ne va pas le voir. Parce que papa m'a dit, vous comprenez, on n'a pas le droit, donc on ne le voit pas. Alors que les équations le disent, on les voit. Bon, c'est assez extraordinaire. Je veux dire, quand on a une idée et qu'elle est partagée, on ne voit pas la réalité. Et ça, je trouve que c'est un point vraiment important. Bon, alors par exemple, Eddington, vous voyez, il y a un cercle magique, n'est-ce pas, à l'intérieur duquel aucune mesure, on ne peut pas rentrer dedans, c'est impénétrable. Et ça, une singularité, c'est vraiment important pour la théorie, parce que ça limite l'espace-temps. Et là... Ben, cette singularité, elle va devenir l'horizon des trous noirs. C'est là que vont naître les trous noirs, c'est pour ça que j'en parle. Alors pourquoi c'est important ? Ben, parce que les trous noirs, n'est-ce pas ? D'abord, les trous noirs, ça fait intervenir la vitesse de la lumière et ça fait intervenir des masses qui sont extrêmement importantes. Donc que ça rentre ou que ça ne rentre pas, c'était essentiel. C'est à partir du moment où on va pouvoir rentrer là-dedans qu'on va pouvoir penser vraiment les champs forts et la relativité générale. Et ça se fait en 1960, pas avant. Alors, il y a des travaux préalables dont je parle rapidement. Hein. Ce sont les racines de la Renaissance et la cosmologie a joué un très grand rôle. Alors, pourquoi la cosmologie ? Bah, d'une part, parce qu'il est plus facile de penser l'espace courbe lorsqu'on pense à l'univers. Et puis, d'autre part, parce qu'on a des équations qui sont solubles. Parce que finalement, on décrit l'univers encore aujourd'hui d'une manière extrêmement simple. On suppose que la matière est la même partout. Partout, c'est homogène. Et c'est fou, parce que c'est toujours vrai aujourd'hui,
Hein, et en fait, ça, ça décrit assez bien le monde. Et donc, ça permet de comprendre la théorie. Parce qu'on peut travailler dessus sur des solutions qui sont exactes. Avoir des solutions exactes, c'est comprendre comment ça marche. Alors, il y en a deux, en gros, hein, c'est les deux principales. Schwarzschild, c'est-à-dire un point massique, et puis une distribution de matière homogène de A à Z. Et ça, c'est les travaux qui vont permettre l'ouverture de cette porte que je disais fermée tout à l'heure. Voilà. Alors ça, oui, bah, c'est Tolman qui a travaillé aussi là-dessus, qui a travaillé avec, avec Lemaître. Et il pense justement qu'il est important de travailler sur des solutions exactes. C'est pour ça que j'ai mis ça. Et ça, ce sont les gens. Vous avez Lemaître, n'est-ce pas? Vous avez Tolman, Robertson, Singe, Oppenheimer et Kruskal qui va donner, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est Robertson. Vous voyez un peu l'espace-temps, la tête qu'il a. C'est un petit peu bizarre. Et ah oui, là, c'est encore une chose. Robertson, dans un travail extrêmement intéressant qu'il a fait juste avant la guerre, dit il n'y a aucune masse assez importante qui puisse, si vous voulez, exprimer cette porte fermée dont je parlais, c'est-à-dire qu'il soit assez massif. On n'avait pas d'étoiles ou d'objets assez massifs pour que s'exprime l'horizon de ce qu'on appelle aujourd'hui le trou noir. Les trous noirs, on n'y croyait pas. Et ça, voilà, alors on est encore là. Alors, une nouvelle interprétation, ben ça c'est justement l'espace de Schwarzschild vu par Kruskal. Alors, vous l'avez là, je ne sais pas si je peux... Ça marche. Bon, vous voyez là l'espèce de d'entonnoir qui est ici, ou bien le dessin que tu as montré, il est là, parce qu'en fait, il a été pensé par Einstein il y a très longtemps, hein, et aussi par Wheeler. Et en fait, on n'arrive pas à faire des représentations, c'est ce que vous disiez, Laurent, tout à l'heure, on n'arrive pas à faire des représentations qui soient, mais il faut bien faire des dessins, et en fait, le mieux, c'est de faire des dessins comme ça, à la main. Hein. Et là, c'est simplement dans la partie... Ça marche, ça? Je ne sais pas faire marcher cette chose. Ah, voilà. Ah non. Elle fait avancer. Oui, non, mais il n'y a pas de laser. Oui, bon, c'est pas très grave. Vous voyez, c'est simplement la partie en grisé à droite qui est physique. Tout le reste de la solution de l'espace-temps n'est même pas compréhensible. C'est le trou blanc. Hein? Alors, vous voyez, je veux dire, la théorie a tellement de problèmes qu'encore aujourd'hui, la solution la mieux connue, celle de Schwarzschild, dont je parlais tout à l'heure, n'est pas comprise jusqu'au bout parce qu'il y a le trou noir d'un côté, il y a le trou blanc dedans, dans lequel on ne sait pas quoi faire. Hein? Mais disons, alors, c'est une représentation incomplète. Je veux dire, la théorie, elle marche très bien, on l'a vu, on a des... mais malgré tout, elle n'est pas encore comprise, pas encore bien comprise. Bon, maintenant, venons-en aux ondes gravitationnelles. Alors, les ondes gravitationnelles, ça commence dès 1917. Einstein, n'y croit pas. Les problèmes de coordonnées, il n'a pas très bien compris, lui non plus. Hein. Il a écrit des papiers qui sont assez mauvais. Ça arrive à tout le monde, et même au grand Albert. Mais ça, mon Dieu, on peut lui pardonner. Hein. Et il a écrit des papiers dans lesquels il ne croyait plus aux ondes gravitationnelles à un certain moment. Et puis les ondes gravitationnelles, c'était tellement difficile à mesurer qu'il ne croyait pas non plus que ce soit possible. Et puis dans les années 60, il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Weber qui dit avoir, grâce à ce cylindre que vous voyez, où on pouvait mesurer, et espérait-il, détecter les ondes, bref... il a sorti des papiers dans lesquels il disait ça y est, j'y suis arrivé. Et puis vous savez qu'une expérience doit être reproductible, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'un type dise oui, moi j'ai trouvé et publie des chiffres. Il faut que dans d'autres labos on puisse aussi détecter refaire ces expériences. Or il y a eu des expériences un peu partout, en particulier ici à Paris, à Meudon en fait, hein, et moi j'ai vu ça à l'époque, avec des cylindres qui étaient même plus performants que ceux de Weber. Et personne n'est arrivé à reproduire les résultats de Weber. Et ça, ça a été un gros problème. Weber avait une tête de lard et il a toujours pensé. Alors, on peut toujours penser aussi qu'il y a un événement extraordinaire, très violent, parce que, n'est-ce pas, pour avoir des ondes qui soient repérables ici, il faut qu'il y ait, aujourd'hui, ce sont des trous noirs hein, qui vont collapser et qui vont donner un flux d'énergie qui nous ont permis l'année
dernière, de détecter. Bon, à l'époque, mon Dieu, c'est toujours possible. Donc, il y avait toujours une ambiguïté. Je veux dire, ces travaux. Il en voyait beaucoup et souvent. Hein, Weber. Oui. Ouais. Oui, mais il est le seul. C'est ça le problème. Ça suffit pas. Bon, alors aujourd'hui, ben écoutez, c'est justement pour ça qu'on a organisé ces journées. Ça a été mesuré, n'est-ce pas? Ça a été mesuré aux États-Unis et par deux interféromètres différents, hein, qui ont vu les mêmes. Alors, ceci dit, moi, je suis toujours prudent, comme pour Weber, il va falloir que d'autres interféromètres avant... C'est toujours dans le temps que ça se fait. Hein. Regardez la déviation des rayons lumineux. 1919, on a crié « Hourra !» 1930, et puis aujourd'hui, on n'en parle plus trop parce que ce n'est pas très facile à mesurer. Contrairement au périhélie de Mercure, dont je vous parlais aussi au début, il a été mesuré dans les années... il a donné d'ailleurs un prix Nobel à Hulse et Taylor parce qu'ils ont mesuré un périhélie c'était d'une étoile à neutrons, enfin deux étoiles, qui tournaient l'une autour de l'autre. Et au lieu d'être 43 secondes par siècle, c'était par jour. Bon, et là, on a déjà pensé que la relativité générale commençait à prendre forme. Hein, ça commençait à devenir sérieux. C'est-à-dire que ça marche très bien, en fait. Hein. Même si elle est incomplète, comme j'ai insisté, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est une théorie on travaille toujours dessus. Mais elle marche extrêmement bien, extrêmement bien. Et le périhélie de PSR, etc., 1916+13, puisque ça s'appelle comme ça, donne des résultats extraordinairement proches de ce que prévoit la relativité générale. Bon, mais la découverte la plus importante, c'est peut-être les trous noirs, hein, parce que les trous noirs, c'est beaucoup de masse. Et quand deux trous noirs se rencontrent, ce qui semble être arrivé là, non seulement l'interféromètre a découvert les ondes gravitationnelles, mais c'est une manifestation de l'existence des trous noirs. Bon, voilà, Wheeler, c'est lui qui a fait connaître le nom Black Hole. Il y a deux personnes qui ont vraiment compté. Enfin, Wheeler comme chef d'équipe à Princeton et, disons, l'équipe de Cambridge avec Penrose qui ont fait beaucoup de travail aussi. Alors, la Renaissance, n'est-ce pas, 1903, j'en parlais tout à l'heure, la conférence de Dallas, où on commençait à voir s'ouvrir, si vous voulez, le champ de la relativité générale, c'est-à-dire qu'il passe du champ newtonien, c'est-à-dire en gros les planètes, le système solaire, on passe à un champ qui est un champ, si vous voulez, fort, des champs gravitationnels forts. C'est essentiel. Hein, et là, la théorie de Newton, elle donne rien. Et ça a vraiment fait plaisir aux relativistes. Et c'est ce que raconte dans Thomas Gold dans l'After Dinner Speech, un colloque historique. On n'est plus seulement des ornements culturels, vous voyez, un peu comme on traitait les relativistes. Hein, espérons que tout cela est juste, quelle honte ce serait, etc. Bon, donc ça a été le début de la révolution de la Renaissance. Ceci dit, moi je me demande, on se demande, si vous voulez, si la relativité générale n'est pas née finalement dans les années 70-80 en tant que théorie de l'espace courbe. Jusque-là, c'est un espace très proche de l'espace newtonien. Voilà. Oui, ça c'est encore une citation de Cécile de Witt, vous voyez, d'un calme bras mort, des crédits importants. C'est bien sûr l'essentiel. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Oui, s'il y a quelques questions déjà là. Peut-être pour que les gens comprennent ce qui se passe, c'est pas tout à fait fini. On va vous parler d'ondes gravitationnelles un peu plus en détail, mais on avait prévu de vous donner la parole éventuellement maintenant si déjà il y avait des questions urgentes. Que vous ayez tout compris ou pas. Mais après, vous n'êtes pas obligé non plus, et on a d'autres choses à vous dire plus proches des ondes gravitationnelles après. Ce que je disais, j'ai tout compris. Excusez-moi. Oui. À propos de la vitesse de la lumière, du C, là, on a mesuré des vitesses de particules supérieures à la vitesse de la lumière. Non. Non, c'est une fausse information, oui. Oui, oui, il y a eu une petite secousse, on va dire, effectivement, il y a deux ans, quelque chose comme ça, où une expérience qui mesurait des neutrinos a pensé avoir mesuré des neutrinos qui allaient plus vite que la vitesse de la lumière, et on s'est aperçu après, enfin, ils se sont aperçus, après 6 mois d'analyse poussée, que c'était un problème purement expérimental, qu'ils ont très très bien identifié. Pour faire gros et pas très sympa pour la manip, un fil était mal branché, quoi. Voilà, c'était bon.
C'était un peu plus compliqué que ça, mais le problème a été identifié, résolu, et les nouveaux résultats indiquent des neutrinos qui ne vont pas à une vitesse plus grande que la lumière. Bonsoir, c'est juste pour une confirmation. Vous avez montré des photos de scientifiques et j'ai vu qu'il y avait parmi ces scientifiques un prêtre, c'est ça? Oui. Un prêtre? Oui, oui. Oui, c'est Georges Lemaître qui était un prêtre belge et qui a fait un excellent travail en relativité. Einstein n'aimait pas trop d'ailleurs. Il n'aimait pas trop, mais pas parce qu'il était prêtre. Mais c'est un type qui tenait vraiment les choses très séparées. Hein. Il ne mélangeait pas les thèmes. Il a fait un travail extraordinaire. C'est lui qui a donné les équations qui ont permis, si vous voulez, à Oppenheimer en 1939 de résoudre le problème de l'effondrement gravitationnel à travers la singularité de Schwarzschild. C'est lui qui a démontré cette porte fermée dont j'ai parlé, qui est fondamentale parce que c'est le trou noir, que c'était une fausse singularité. Il l'a démontré mathématiquement. Georges Lemaître, ouais, c'est un très grand cosmologue. Mais la cosmologie a eu un rôle fondamental pour la relativité générale. Et même des gens qui se gaussaient, disons, des relativistes, regardaient la cosmologie comme quelque chose d'assez sérieux. Ça a permis des travaux intéressants. Oui, bonsoir. Je voulais juste savoir... si vous pouvez nous expliquer les 43 secondes sur, sur Mercure, j'ai pas bien compris ce qui se passe, ce qui prouvait l'avance du périhélie de Mercure. Voilà, c'est ça. Alors ce qu'on appelle le périhélie, quand on a une planète qui tourne autour du Soleil, en fait, on dit souvent qu'elle décrit un cercle, mais c'est pas vrai. Ça décrit plutôt une ellipse. Il y a un point de plus basse approche du Soleil de l'ellipse et un point de plus longue approche. Périhélie, c'est le point le plus proche du Soleil. Donc une ellipse, elle a son périhélie qui est a priori fixe. Sauf que quand on observe le mouvement des planètes... Non, le périhélie, il est toujours fixe, si je puis me permettre. Mais il avance plus vite qu'on ne le pense. C'est ça, d'une Alors, théorie à l'autre. Je finis juste ma phrase. Non, mais je ne suis pas d'accord, là. Le périhélie, c'est le point le plus proche. En fait, c'est un point fixe. C'est ça non, il est. Alors, il n'est pas fixe. Si on a juste, alors je le dis complètement. Si on a le Soleil et une planète, la planète tourne autour du Soleil avec une ellipse qui est bien fixée, et du coup, son périhélie effectivement est fixe. Voilà. Les planètes ne sont pas isolées. Il y a d'autres planètes autour. Ça fait des perturbations, et du coup, les ellipses ici tournent légèrement au cours du temps. Et on observe que le périhélie, du coup, ce qu'on appelle le périhélie, est en train d'avancer légèrement. L'ellipse, elle fait comme ça. Puis le tour d'après, elle fait un peu comme ça. Donc le point de plus proche, de plus petite approche, c'est un petit peu décalé. En fait, il avance. C'est ça qu'on appelle l'avance du périhélie. La majeure partie de cette avance du périhélie est extrêmement bien expliquée. C'est essentiellement l'influence des autres planètes du système solaire. L'avance du périhélie de Mercure est essentiellement due au fait qu'il y a Jupiter notamment qui est dans le système solaire. Mais quand on regarde vraiment dans le détail et qu'on fait de l'astronomie de précision, on s'aperçoit que l'influence des autres planètes du système solaire ne suffit pas pour rendre compte de toute l'avance. Il reste, quand on fait la différence entre les calculs et ce qu'on observe, il y a une petite différence de 43 secondes d'arc par siècle. Bon, moi, je vais le dire plus simplement, c'est un point fixe sur l'ellipse, c'est-à-dire sur la trajectoire, et d'une théorie, en fait la théorie de Newton, ne rend pas compte du mouvement en laissant les perturbations de côté, c'est pas forcément, c'est vrai qu'il faut les enlever, mais ne rend pas compte précisément du mouvement de ce point fixe sur, enfin fixe, bien déterminé sur la trajectoire. C'est pas hyper évident la notion de mouvement du point fixe hein. Oui, mais enfin ça permet de comprendre. Rien n'est évident. Et la relativité générale en tient compte, voilà. C'est un des trous de la théorie de Newton. Mais un si petit trou que vraiment c'était ridicule. Pauvre Einstein, c'est là-dessus qu'il s'est appuyé, n'empêche ça à marcher pendant 50 ans. Ça a bien marché pour lui. Point fixe. Merci, je connaissais pas très bien cette notion, mais bon, maintenant on est un peu mieux éclairé maintenant. Merci. Question. À
Alors, moi, je reviens sur ce même point parce que je ne suis pas sûr d'être mieux éclairé, justement, par rapport à ces éléments de doute quant à la théorie de la relativité générale qui s'exprime au début et un certain nombre d'éléments, enfin d'intuitions qu'a Einstein, dont vous avez parlé, et qui vont ensuite, au cours du temps, être validés par l'expérience. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces points, donc j'ai compris que les mesures là des ondes gravitationnelles font partie aussi des éléments qui vont permettre de valider, en tout cas c'est ça que j'ai compris, mais est-ce que vous pouvez revenir sur ces éléments sur lesquels il y a des doutes à l'origine et les différentes expériences ou mesures qui vont permettre de valider en fait ce qu'était la théorie Ce qu'il faut comprendre, c'est que les tests, si vous voulez, c'est dans le temps. Hein, c'est dans le temps que ça se mesure. Dans le temps, je veux dire, dans le temps de l'histoire. Je veux dire, mais il ne suffit pas qu'une personne ait fait, on fait des mesures, on refait des mesures, etc. C'est vrai. Alors, pour le périhélie de Mercure, hein, alors, bon, ce n'est pas un point fixe. Disons que c'est un repère. Hein, là, on s'entendra peut-être mieux. Et c'est un repère. Et ce repère, eh ben, disons, on regarde... Ce mouvement en réalité, et la théorie de Newton ne parvient pas à en rendre compte. Point. Et jusque-là, il y a un tas de gens qui vont essayer de modifier la théorie de Newton, d'ajouter une planète, etc. Et puis quand on ajoute une planète, ça dérègle l'ensemble, hein, c'est toute une mécanique. C'est très compliqué, ça a donné lieu à des calculs pendant 50 ans. Ça commence dans les années 1850. Et en fait, Einstein a pris ça, si vous voulez, il s'est dit, si j'arrive à ça, ça veut dire que mes équations, elles seront correctes. Et en fait, j'en ai pas parlé, mais entre 1907, plutôt 1912, disons, et 1915, il y a d'autres théories pré-relativité générale qui vont pas être satisfaisantes, qui vont sortir. Ça s'appelle Landwurf en allemand. Hein, et il en a plusieurs. Et chaque coup, il fait le calcul du périhélie. Et il trouve moins 8 secondes ou plus. Enfin bon, il ne trouve pas le bon chiffre. Et ça l'oriente. Hein. Et en fait, novembre 1915, il trouve les 53 secondes à quelque chose près, mais d'une manière extrêmement précise. Bon, et ça correspond. Et personne ne râle là-dessus. Il n'y a jamais eu de discussion. Pourquoi ? Parce qu'on a des mesures depuis le 18e siècle. Parce que vous comprenez, ce retard. Cette avance, pardon, du périhélie, il s'ajoute à chaque tour. Et donc, petit à petit, ça fait plus. Hein, c'est pour ça que c'est par siècle. Bon, et on a donc des mesures très anciennes. Donc, ça ne fera jamais débat. Mais contrairement à la déviation, alors en fait, on peut discuter de ça. Eddington, s'il décide en 1919 d'envoyer deux expéditions, c'est pendant la guerre hein, qu'il décide ça, les Anglais. Donc la guerre de 14. Ça se fera qu'en 19, mais c'est préparé avant. Et il faut voir quand même qu'il y croyait beaucoup, Eddington, pour avoir l'énergie de convaincre les observateurs et les Dyson en particulier. Pour préciser, Eddington, c'était monsieur astronomie en Angleterre hein, oui, de l'époque. Hein. C'était vraiment le grand... Et astrophysique aussi. Et astrophysique, oui, ouais. Oui. Et c'est un type... Ça n'empêche pas d'avoir dit des bêtises hein, sur le Churchill. Vous voyez, je veux dire, les gens sont ambigus. Einstein aussi en a dit. Hein. Tout le monde en dit. Bon, mais donc Eddington réussit à envoyer deux expéditions et ça coûtait vachement cher. Et c'est en 1919. Une expédition... en Afrique, où il sera d'ailleurs présent, le temps est mauvais, ça arrive très souvent, parce qu'il y a eu des expéditions depuis 1911. Hein. C'est en 1911 qu'Einstein pense à ça, il discute avec Freundlich, et puis on envoie une expérience en Russie, je me souviens. Et en Russie, d'une part, il fait mauvais, l'astronomie, c'est horrible, hein, et en plus, il y a la guerre. Bon, alors, c'est un vrai bazar, et Freundlich, justement, ne parvient à rien. Et en fait, ça explique un peu... Si on regardait de très près, en tout cas je le pense, que Freundlich était agressif parce qu'il s'est fait voler. En fait, Einstein s'était adressé à lui en 1911 pour faire ce travail. Et il a donné beaucoup d'énergie. Et finalement, il s'est fait dépasser par Eddington. Hein, parce que ça a été accepté. Eddington. Alors pourquoi Eddington a eu raison d'envoyer des expéditions? Je reviens là-dessus, c'est important. Ben, c'est parce que, si vous voulez... Pour faire cette mesure, c'est assez compliqué, je n'ai pas, j'ai pas mis les slides là, mais en fait, on regarde, si vous voulez, ça se fait pendant une éclipse. Pourquoi ?
Ça se fait pendant une éclipse parce que ce qui est important, c'est de regarder les rayons lumineux quand ils passent près du soleil. Alors, les rayons lumineux d'une étoile qui est derrière le soleil, qui passe près du soleil, on ne les voit pas. Hein, le soleil éblouit tout. Mais quand il y a la lune, c'est-à-dire pendant une éclipse, alors là, on peut voir les étoiles qui sont près du bord du soleil. Donc, on prend des photos en sachant où le soleil sera et quand sera l'éclipse, du fond de ciel. Et on prend des photos pendant l'éclipse. Bon, alors ce qui est important, c'est que les étoiles qui sont près du bord du soleil au moment de l'éclipse soient très lumineuses. Et Eddington a très bien vu que l'éclipse de 1919, elle était parfaite pour ça, il y avait plein, c'était un fond de ciel parfait pour faire ça. Et en fait, maintenant, on est convaincu que, bon, il avait raison. Mais il y a eu énormément de discussions, y compris parmi les physiciens, les historiens, etc., là-dessus. Et en 30, Freundlich, qui était, bon, il voulait prendre sa revanche, on se demande, enfin, je me demande, parce que le travail n'a pas été vraiment bien fait, s'il a eu des problèmes avec Einstein, en fait. Donc, si son agressivité n'a pas eu quelque importance dans son résultat. Mais qu'importe. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a encore des observations de ce genre. Il y en a eu dans les années 50, ça je m'en souviens. Je n'ai pas suivi le truc. Mais ce n'est pas une expérience, une observation qui est facile à faire. Et donc, ce n'est pas là-dessus qu'on se base tellement pour justifier, pour vérifier la théorie. D'après ce que j'ai pu voir. Je peux juste te dire, parce qu'il y en a effectivement qui ont été faites, qui sont faites de manière routinière avec des ondes radio. Ah, d'accord. Parce qu'on a vraiment beaucoup de sources ponctuelles en radio dans le ciel. C'est beaucoup plus facile à observer. On n'a pas besoin d'attendre les éclipses. Quels sont les résultats ? Et effectivement, ça conforte tout à fait. On n'est pas obligé d'attendre des éclipses. Et le truc, c'est que la déviation, en fait, elle dépend... Elle décroît assez lentement avec l'éloignement au soleil. Donc, on arrive même aujourd'hui à mesurer la déviation des rayons lumineux d'objets qui sont quasiment à 90 degrés du soleil. On en parle peu, hein, dans la littérature. En tout cas, moi, j'ai pas lu ça. Effectivement, il y a des gens qui font ça. Ah, mais bon, je travaille pas tellement sur ce domaine aujourd'hui. Mais bon, mais en fait, si vous voulez, les expériences les plus, les observations les plus précises, c'est sur les périhélies. Le périhélie de PSR dont je parlais tout à l'heure, c'est assez extraordinaire. Et les ondes, c'est très important. Peut-être plus symboliquement qu'au niveau de la mesure, parce que les mesures, il va falloir les refaire, les refaire, les refaire. C'est plus symbolique, à mon sens, que... Bon, bien sûr, j'y crois, hein, le problème n'est pas là. Moi, je croyais aux ondes depuis longtemps, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ce n'est pas une surprise. Hein. Ce n'est pas une surprise. Mais Einstein pensait qu'on n'y arriverait jamais. Hein. Mais vraiment, la chose à laquelle je crois le plus, c'est le périhélie encore, qui est la meilleure illustration de la justesse, pour ne pas dire autre chose, de la théorie. Et on mesure aujourd'hui les périhélies de d'autres planètes. Oui, bien sûr. Maintenant, il y en a d'autres. Ça a été le prix Nobel de Hulse et Taylor en 79. Et Einstein n'a pas eu de prix Nobel pour la relativité. C'est pour voir à quel point elle était mal vue. Il l'a eu pour d'autres raisons. Oui, on va peut-être aborder le problème. Donc, vous vous souvenez, donc, au début de cette année, c'est en février, si ma mémoire ne me trompe pas, la collaboration LIGO, hein, donc, qui est un ensemble de nombreux chercheurs qui sont aux États-Unis, a annoncé qu'ils avaient détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles. Et c'était en fait dès le début du fonctionnement de la machine. Enfin, la machine fonctionnait déjà depuis quelques années, mais elle avait été rendue plus performante et c'est en septembre, hein, c'est bien ça, donc, le 14 septembre, je crois. Hein, voilà, mais 2015, donc l'année où on célébrait l'anniversaire d'Einstein, où ils ont détecté les ondes gravitationnelles. Mais finalement, bon, quand on parle d'ondes, on a, je pense, tous un peu des images assez intuitives, comme des vagues sur l'eau. Mais une onde gravitationnelle, qu'est-ce que c'est? Quel effet ça a sur les objets est-ce que tu peux répondre à ça, Richard? Alors, effectivement, quand on pense aux ondes, je pense qu'une bonne image de l'onde qu'on peut avoir, c'est les ondes à la surface de l'eau. On appelle ça des ondes mécaniques. Voilà. Vous êtes dans votre baignoire, plus vous lancez votre canard, ça fait des machins sur l'eau comme ça. Okay. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, la gravitation, c'est une courbure de l'espace-temps. Bah, du coup, on peut imaginer que si on se met tout d'un coup à secouer une masse quelque part dans l'espace, en un point de l'espace-temps, on a un événement qui peut varier au cours du temps. Un point dans l'espace-temps qui va au cours du temps, c'est nul comme phrase. Ça ne veut rien dire. Je recommence. Si vous avez quelque part dans l'espace quelque chose qui est en train de varier au cours du temps, vous prenez une masse et vous la secouez, et bien en fait, ça provoque effectivement des vagues
dans l'espace-temps lui-même, des vagues que je suis bien incapable de vous représenter dans un espace à quatre dimensions, parce que voilà, mais si l'espace-temps était quelque chose à deux dimensions d'espace, on verrait dans l'espace quelque chose qui ressemble à des ondulations à la surface de l'eau. Retenez en tout cas que voilà, les ondes gravitationnelles, ce sont des perturbations de l'espace-temps, des déformations de l'espace-temps. Et je vous ai mentionné au tout début avec le coup de mon pingouin là, que la courbure c'était associé à des variations de distance. Ça affectait la manière dont on pouvait mesurer les distances. Mais en fait, une onde gravitationnelle, ça se manifeste exactement comme ça. Quand vous avez une onde gravitationnelle qui est en train de passer, ça modifie temporairement le temps du passage de l'onde, les distances relatives entre les objets. Et ça les modifie d'une façon très spécifique. Si vous amusez à mettre des petits cailloux, ils font des trucs de fou les physiciens, vous mettez des petits cailloux comme ça, par terre, en formant un beau cercle, toc, vous attendez. Si vous avez une onde gravitationnelle qui passe, les cailloux vont tout d'un coup prendre une forme d'ellipse dans un sens, puis dans l'autre, et ça va faire comme ça. Il n'est pas d'accord. Juste un mot. Quand tu parles de distance, Richard, c'est des distances-temps. Hein. Il n'y a pas de distance réelle. Il n'y a pas de rigidité. Ça n'existe pas. La rigidité, c'est un concept qui n'existe pas en relativité. Donc, c'est des distances-temps propres, c'est-à-dire avec C. Alors, on les mesure effectivement avec la lumière. Pour se balader, hein. On la mesure avec la lumière. On parle toujours de distance, mais il ne faut plus penser distance. Distance, trois distances. Ça n'a plus de sens. C'est assez difficile à avaler. Mais du coup, ça fait le lien effectivement avec la manière dont on mesure ça. Parce que pour mesurer ces distances, je vais continuer à utiliser le mot distance parce que c'est plus simple, mais voilà. Pour les mesurer, le gars qui fait son pénible, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie de la lumière dans une direction, on met un miroir et on laisse la lumière revenir. On envoie de la lumière dans une autre direction perpendiculaire, on met un autre miroir, on la laisse revenir. Et on s'arrange. En fait, la lumière, elle a une propriété assez étonnante. En fait, c'est un truc de fou. La lumière, elle a cette propriété que quand vous envoyez de la lumière et que vous la superposez avec de la lumière, dans certaines circonstances, ça peut faire de l'obscurité. J'ai pas fumé, j'ai pas bu, c'est comme ça, ça se mesure très bien. Non mais ça se fait, on fait des expériences très facilement qui le mettent en évidence. Depuis ça s'appelle 19e, hein. Depuis le 19e, ça s'appelle les interférences de la lumière. C'est comme ça qu'on a d'ailleurs montré que la lumière était, le caractère ondulatoire de la lumière. Bon, donc on s'arrange pour faire ça. On envoie de la lumière dans une direction avec un miroir, paf, les deux faisceaux se combinent et on s'arrange pour que ces faisceaux se combinent pour donner de l'obscurité. Au passage d'une onde gravitationnelle, ça va modifier la longueur de trajet. La longueur parcourue par la lumière dans chacun des bras. Et or, le phénomène d'interférence dont j'ai parlé tout à l'heure, il dépend en fait de la distance qui a été parcourue. Si vous voulez, un des rayons lumineux prend un petit peu d'avance par rapport à un autre, et ben ce qui était une interférence destructive, c'est-à-dire ce qui donnait de l'obscurité, va se mettre à donner de la lumière. Et du coup, c'est simple à décrire, on envoie la lumière comme j'ai dit, ça se recombine pour former de l'obscurité, on attend, et tout d'un coup, paf, on voit apparaître, là où il y avait de l'obscurité, on voit apparaître de la lumière qui clignote. Ça, c'est exactement ce qu'a fait LIGO, ce que fait aussi l'expérience Virgo, qui est en train de faire la même chose, sauf que j'ai pas parlé pour l'instant de la taille des on appelle ça les bras, hein. Le dispositif d'ailleurs s'appelle un interféromètre et les bras ils font 3 km, donc c'est l'image qu'on avait tout à l'heure. Vous avez des immenses bras de 3 km qui servent à détecter. Je voudrais faire une remarque là-dessus. Quand on voit la dimension du cylindre de Weber qui faisait 1 mètre et l'interféromètre qui fait 3 km, on voit comme Weber était très probablement loin du compte. Hein, je veux dire rien de ça. Bon, je veux revenir encore sur mon idée de temps propre. Hein, c'est comme le poumon dans Molière, vous savez, le poumon, j'y tiens. C'est vraiment très important de ne plus penser en distance, de ne plus penser en temps à l'infini, en temps pour tout le monde. On a chacun notre temps propre, et chaque fois qu'on fait des mesures, c'est des mesures de temps. Alors après, on en parle en distance, mais en ayant bien dans la tête que c'est un temps propre, c'est-à-dire le temps de la particule, qui n'est pas le temps de l'autre particule. C'est donc assez compliqué penser, mais il faut s'y mettre, sinon vous comprenez rien, vous allez être perdu, parce que la plupart, si vous voulez, comme les paradoxes des jumeaux, j'en parlerai pas parce que c'est trop compliqué, mais il faut pas les penser justement comme paradoxes, c'est pas un paradoxe du tout, c'est tout simplement qu'il faut les penser en temps propre et pas en newtonien avec le temps à l'infini, etc. C'est pour ça qu'il y a un problème, mais finalement penser à ça, y insister, c'est insister sur quelque chose qu'on ne peut pas comprendre dans la manière dont vous avez posé la question. En tout cas, c'est ma manière de voir. Je
peut-être juste rajouter un tout petit bout à l'histoire. Donc, effectivement, on a annoncé la détection directe d'ondes gravitationnelles cette année. J'insiste sur le mot direct, parce qu'en fait, comme l'a mentionné Jean, il y a des systèmes qu'on observe en astronomie. On voit des objets qui tournent les uns autour des autres avec des vitesses importantes. Dans certaines conditions, dès que des corps tournent les uns autour des autres, ils émettent des ondes gravitationnelles. Ça, c'est ce que nous dit la théorie. Et ça veut dire que ça, ils perdent de l'énergie. Vous mettez deux trucs qui tournent l'un autour de l'autre, ils émettent des ondes gravitationnelles, perdent de l'énergie, et donc ça resserre leur trajectoire. Et ce qu'on voit sur la binaire qu'a mentionné tout à l'heure Jean, c'est exactement ça. On voit que les binaires orbitent de plus en plus vite l'une autour de l'autre. Ça se mesure vraiment extrêmement bien. De cette modification de la période de rotation, on peut en déduire l'énergie qui a été envoyée en ondes gravitationnelles. Et ça correspond effectivement exactement à ce qu'on peut calculer. Donc on mesure d'une part la différence de l'augmentation de rapidité de rotation l'un autour de l'autre. On en déduit expérimentalement l'énergie qui a été perdue sous forme d'onde gravitationnelle. On compare ça avec ce que dit la théorie de la relativité générale. Tiens, si on met deux trucs qui tournent l'un autour de l'autre, ça devrait émettre tant d'ondes gravitationnelles. Et du coup, cette mesure-là sur les pulsars binaires qui tournent l'un autour de l'autre, en fait, c'est considéré comme la première détection indirecte d'ondes gravitationnelles. Donc c'est pour ça que tu as mentionné tout à l'heure qu'on n'était pas surpris de détecter ces ondes gravitationnelles. Non, personne honnêtement n'était surpris de les voir. Mais il n'en reste pas moins que c'est fabuleux. Hein. Personne ne l'avait jamais vu. On n'est pas surpris. Voilà. Genre on vous dit pendant 10 ans, tiens, à ton 10e anniversaire, tu auras un G.I. Joe dans son... Là, ça fait un peu vieux. Bon, bref, tu auras un G.I. Joe dans ta boîte. Vous attendez, vous ouvrez la boîte, il y a un G.I. Joe. Oui, ok, vous saviez. C'est chouette quand même. Elle est super nulle, mon analogie. Je te laisse la parole. C'est tout ce que je voulais dire. Non, je crois aussi que ce qui est intéressant avec ces détections directes des ondes gravitationnelles, c'est qu'on va pouvoir chercher l'information qu'elles portent. Parce qu'avant, quand on avait une détection indirecte des ondes gravitationnelles, on savait juste qu'il y avait de l'énergie qui partait. On savait juste que l'énergie qui était émise par les deux astres, elle partait selon les lois de la réalité générale, mais c'est à peu près tout ce qu'on pouvait savoir. Alors que là, brutalement, c'est comme si on était aveugle avant, et brutalement, on a un nouveau sens qui s'ouvre, un nouveau signal qui va nous permettre de voir plein de nouvelles choses. Et vous savez, en astronomie, en astrophysique, chaque fois qu'il y a eu un nouvel instrument qui nous a permis de voir quelque chose de nouveau, ça a tout bouleversé. Quand Galilée a eu sa lunette, quand il a commencé à regarder la Voie lactée de très près et qu'il a commencé à voir que la Voie lactée, c'était plein de petits points lumineux, plein d'étoiles, ça a commencé à changer la vision du monde. Quand les ondes radio, les radiotélescopes sont entrés en action, on a détecté justement les quasars et les pulsars qui ont justement permis d'interroger les physiciens de l'époque qui se sont dit peut-être que la relativité générale, qui était à l'étiage, comme l'a très bien dit Jean-Jacques Einstein, peut-être que cette théorie est importante et on a commencé à l'étudier, à la prendre vraiment au sérieux dans la communauté scientifique alors que elle avait été un petit peu mise de côté. Et je crois que c'est vraiment ça l'intéressant. On va pouvoir vraiment voir une nouvelle vision du monde. Oui, moi je voulais ajouter un point. C'est que justement, les ondes gravitationnelles qu'on a observées, c'est, en tout cas c'est ce qui est projeté, deux trous noirs qui sont en train, si vous voulez, de collapser, c'est-à-dire de tomber l'un sur l'autre. Alors, en fait, ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, les calculs montrent que 3% de l'énergie des trous noirs, ce qui est énorme, va sortir en ondes gravitationnelles. Il me semble que c'est le cas. Et donc, c'est pour ça qu'on peut le voir. C'est pour ça qu'il faut des moments extraordinaires, des événements extrêmement énergétiques pour pouvoir. Donc, en fait, un des problèmes de LIGO, de Virgo, etc., c'est non seulement c'est d'attendre, si vous voulez, qu'il y ait un tel événement. Et ça, on ne sait pas combien il y en a. Il y a un tas de statistiques qui ont été faites pour savoir quelle chance on avait de voir le collapse, l'effondrement gravitationnel de trous noirs ou de deux étoiles à neutrons, enfin de gros objets. Et ça, on ne savait pas et on ne sait toujours pas. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on pense qu'il y en a plus que prévu. Ah oui, largement, parce qu'il y a déjà un deuxième événement qui a été publié. Alors que ce n'était pas du tout, attendu. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que l'univers ne le connaît pas, quoi. On le connaît mal. Et puis bon, on s'en passe. On s'en passe en même temps là. Un point vraiment marquant de la découverte aussi, c'est que certes, ce sont deux trous noirs qui coalescent l'un sur l'autre, donc ça, on se doutait que ça arrivait dans l'univers,
Mais là, c'est des trous noirs qui ont des masses un peu particulières quand même. On ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de... Ils doivent faire quelque chose comme 20 masses solaires. Je crois qu'il y en a un, c'est 29, et l'autre, c'est 32. Voilà, ça, de l'ordre de 30. Une trentaine de masses solaires. Et ils sont vraiment problématiques, ces trous noirs-là, parce que c'est les plus difficiles à former, en quelque sorte. On n'est pas complètement sûr qu'on comprend pourquoi est-ce que, tiens, les deux premiers trous noirs qu'on voit se coalescer, ils ont cette masse-là. Et puis, le deuxième événement, c'est aussi dans le même ordre de grandeur. Donc, ça ouvre déjà pas mal de questions vraiment astrophysiques. Là, même en sortant du cadre des ondes gravitationnelles. Je crois que pour anticiper sur la prochaine table ronde, il y a la possibilité que ce soit en fait des composants de la matière noire. Juste un petit aparté, 30 secondes. Ah oui, alors bon... C'est intéressant, je pense. Et effectivement, ça suggère que... Le fait qu'on détecte des trous noirs comme ça, 30 masses solaires, alors qu'on ne pensait pas qu'il y en avait beaucoup dans l'univers, ça ouvre des portes. Et notamment, il y a des chercheurs qui se sont dit, tiens, il y a peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de trous noirs de 30 masses solaires dans l'univers. On ne sait pas comment ils sont faits, mais il y en a peut-être beaucoup. Et, or, il y a un problème aujourd'hui en astronomie et en astrophysique, qui est le problème de la matière noire. Il y a une grande partie de la masse de l'univers qui semble être là sous forme invisible. Donc apparemment, il y a plein de trucs autour de nous qu'on ne voit pas. 90% de la masse autour de nous n'est pas sous forme visible. Et ben, ça pourrait éventuellement être une hypothèse qui est avancée par certains chercheurs, c'est que ça pourrait être ces trous noirs-là. C'en est un stade très, très embryonnaire en tant qu'hypothèse, mais elle a été formulée, du coup, cette hypothèse, tout de suite après la découverte. Mais finalement, pour détecter ces ondes gravitationnelles, pourquoi est-ce qu'il a fallu des machines aussi grandes avec plusieurs kilomètres? Parce que vraiment, la variation de distance est très petite, c'est ça? Oui, là, tu connais probablement mieux l'ordre de grandeur que moi, mais sur les bras de... Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand une onde gravitationnelle passe, ça contracte et ça dilate, en quelque sorte, les distances propres, d'une manière relative. C'est-à-dire que ça multiplie tout par un même facteur. Donc, si vous avez une distance qui est comme ça, ça va la diminuer un petit peu, puis l'augmenter un petit peu. Si une distance est plus grande, ça va l'écart, disons, la variation va être d'autant plus grande. Donc, plus vous prenez un bras qui est grand, plus la distance à mesurer va être aussi grande. Mais quand je dis grand, il faut faire attention. Sur des bras de 3 km, la distance de laquelle on va... Les distances en jeu ont varié d'une taille qui est inférieure à celle d'un atome, largement. Sur 3 km, les miroirs, en gros, ont vibré sur une distance qui est inférieure, bien inférieure, plusieurs ordres de grandeur inférieure à la taille d'un atome. C'est vraiment minuscule. C'est pour ça qu'il y a des projets dès aujourd'hui qui proposent de faire des interféromètres beaucoup plus grands, avec des bras qui font non pas 3 km, mais éventuellement 150 millions de kilomètres, enfin, voilà, une unité astronomique, en envoyant des satellites en orbite autour du Soleil. Ça, c'est des projets très très lointains, mais qui commencent déjà à être envisagés. C'est le projet LISA dont tu parles. Oui, ouais, c'est ça. Je crois que d'ailleurs, le fait qu'on ait besoin de mesurer quelque chose de très précis, c'est ce qui explique qu'on ait utilisé les lasers, parce que ça permet de faire des mesures de distance très, très fines. Oui, je vois où tu veux en venir, oui. Mais vas-y, dis-le. Tu peux le dire. Alors, il y a une petite ironie de l'histoire, on va dire, parce qu'effectivement, pour faire ces interférences dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui font de l'obscurité, on sait le faire bien qu'avec de la lumière très particulière qui s'appelle la lumière laser. Et il se trouve que le laser, en gros, a été découvert ou inventé, là on pourrait discuter, mais en 1960. Et ce laser est basé sur un phénomène qui avait été découvert, lui, par Einstein, découvert de manière théorique par Einstein, un processus qui s'appelle l'émission stimulée. L'émission stimulée, c'est le fait que si vous avez un atome, en gros, quand vous avez un atome, vous pouvez, il est tranquille, là je fais l'atome tranquille, voilà, il est dans son état fondamental. Vous pouvez l'exciter un peu. Il est dans son état excité, atome, toc, et au bout d'un certain temps, il va spontanément se désexciter, se revenir dans son état fondamental en émettant de la lumière. Ça, c'est le truc standard. C'est comme ça que marchent les ampoules, la plupart des ampoules. Voilà, on les chauffe, donc on excite les atomes qui sont dedans, et du coup, ils émettent de la lumière. Un truc de fou, c'est que cet atome excité, là, si vous lui envoyez de la lumière, une lumière assez particulière, celle en fait que l'atome a envie d'émettre, celle qu'il émettrait s'il se désintégrait tout seul, donc vous lui envoyez cette lumière-là, et ben ça déclenche sa désexcitation, et du coup, il émet un photon, il met de la lumière, et une lumière qui est exactement semblable à celle qui avait été, celle qu'il a reçue, en fait. Donc vous envoyez une certaine lumière à cet atome excité, paf, il y en a deux qui partent. Si derrière vous mettez encore un atome, ça va encore multiplier la quantité de lumière, etc. Et la lumière que vous obtenez comme ça,
par ce processus d'émission stimulée, elle a des propriétés vraiment extraordinaires du point de vue optique qui permettent de faire facilement ces interférences destructives dont j'ai parlé là. Je crois qu'il y a une propriété des ondes gravitationnelles qui est importante de connaître, c'est que, en fait, contrairement à la lumière qui peut être absorbée par... si vous avez suffisamment de matière, la lumière est bloquée. En fait, il n'y a rien qui arrête les ondes gravitationnelles, donc c'est très pénétrant. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que, quelque part, cette nouvelle astronomie gravitationnelle qui est en train de s'ouvrir avec des instruments comme LIGO, donc aux États-Unis, ou Virgo en Europe, c'est un peu comme si, comme quand on a eu les rayons X, en fait, au début avec la médecine, que brutalement, ça nous a permis de voir des choses... notamment, il y a des astres comme des étoiles à neutrons, par exemple, qui sont très massifs. Hein. C'est des choses qui peuvent être aussi massives que le Soleil, mais tu m'arrêtes si je dis une bêtise, aussi massives que le Soleil, mais le diamètre de la Terre, c'est ça, je crois. Oui, alors l'ordre de grandeur, je le connais pas, hein. Pas en tête. Mais oui. C'est une blanche. Ça doit être quelques dizaines de kilomètres, je crois. C'est extrêmement dense, très compact, et on aimerait bien savoir ce qui se passe dedans. Et les ondes gravitationnelles peuvent nous permettre de comprendre, je crois, ce qui se passe dedans. Alors, effectivement, on peut faire ce parallèle avec les rayons X, par exemple, mais il y a quand même une grosse différence. Je vais être un petit peu négatif, mais il ne faut pas mettre trop d'espoir non plus là-dedans, dans la mesure où les ondes gravitationnelles, on voit les ondes qui ont été émises par des phénomènes extrêmement violents. Voilà. C'est pas, on va voir que certains types d'événements très, très, très particuliers. Dans le cas des rayons X ou des rayons gamma, enfin des rayons X, on peut prendre une source à rayons X, mettre un objet et ça fait une sonde. Quoi. On arrive à s'en servir pour voir d'autres choses. Les ondes gravitationnelles, ça semble un peu plus difficile. Non, mais tout simplement, on peut créer des rayons X, on ne peut pas créer ici, hein, sur la Terre, des ondes gravitationnelles. Si, regarde. C'est tout. Oui, mais... Qu'est-ce que t'en feras ? D'accord. Je dis que ça n'a pas du tout. Alors, c'était pas une sens. Blague. Hein. Là, oui, j'en ai fait, mais elles sont ça, très faibles. Ça, c'est du cinéma. Hein. Non, ah, non, non, attends. Justement, si elles sont créées par des événements très très violents, il y a quand même eu dans l'histoire de l'univers un événement extrêmement violent, le Big Bang, qui a peut-être dû justement faire vibrer, trembler le tissu de l'espace-temps. Est-ce qu'on peut voir des choses comme ça ? Est-ce que les ondes gravitationnelles nous permettront d'apprendre des choses là-dessus ? Peut-être que vous vous souvenez, il y a peut-être un an ou deux, je ne me souviens plus très bien par contre, l'annonce par le satellite européen Planck qu'on avait peut-être détecté des ondes gravitationnelles dans la plus vieille lumière du monde. Alors, si je me souviens, c'était pas Planck, c'était Biceps. Hein. La première fois, oui. Ouais, ouais. Et Planck, justement, voyait rien. Alors, c'est pas. Alors, la réponse, j'ai envie de dire non. T'as envie que je réponde oui, mais je vais répondre non. Je te laisse répondre. Donc, les ondes gravitationnelles, c'est comme toutes les ondes. Je sais pas si tout le monde est très familier avec les ondes. Il y a un type d'onde avec lequel on est familier, c'est la lumière. La lumière, c'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il se trouve que la lumière, c'est un phénomène qui a trait à l'électricité et au magnétisme. C'est comme ça. C'est une onde électromagnétique qui a des propriétés très particulières, qui a notamment une longueur d'onde, une gamme de longueur d'onde bien précise. La longueur d'onde, c'est la distance sur laquelle l'onde se répète. Si on pouvait prendre une photo de l'onde, en quelque sorte, ça serait la distance entre deux points où l'onde a le même état. Bon. La lumière, ce n'est pas la seule onde électromagnétique. Il y en a plein d'autres, les ondes radio, les ondes gamma, les rayons X, les micro-ondes, tout ça, voilà, les ultraviolets, les infrarouges, tout ça, c'est des ondes électromagnétiques. Et il y en a autant de sortes que de longueurs d'onde. Pour les ondes gravitationnelles, c'est pareil. Il y en a vraiment plein. Donc là, nous, on a une fenêtre avec Virgo LIGO, on a une fenêtre qui est quand même assez petite. Donc on voit certains types d'ondes gravitationnelles avec certaines longueurs d'onde, certaines fréquences temporelles aussi, mais ça ne nous permet pas non plus d'explorer tous les phénomènes. À ma connaissance, ces instruments-là, Virgo, LIGO et même ELISA, ne seront pas du tout adaptés pour détecter celles dont tu parles, les ondes gravitationnelles qui sont issues du Big Bang. Il y a d'autres moyens de les voir, celles-ci. Effectivement, les expériences qui mesurent le rayonnement de fond cosmologique, comme tu le mentionnes, Planck ou des suivants, s'il y en a, sont beaucoup plus adaptés pour ça. Après, là, je suis vraiment à la marge de mon domaine d'expertise. Donc, voilà. Oubliez ce que je viens de dire. Non, je suis sûr à 99% de ça que LIGO et Virgo ne sont pas du tout les bons instruments pour cela. D'accord. J'ai une autre question. Apparemment, jusqu'à présent, la théorie d'Einstein est vraiment très bien vérifiée et on l'a vu, enfin, on semble l'avoir vu avec la détection des ondes gravitationnelles par LIGO avec les trous noirs, mais est-ce que l'intérêt aussi de détecter ces ondes gravitationnelles, c'est pas d'un jour d'aller au-delà des équations de la gravité générale, de prouver qu'Einstein avait, comme Newton avait en partie raison, mais pas complètement raison, il a été remplacé par Einstein, est-ce que ça va pas permettre un jour de se rendre compte qu'Einstein avait lui aussi en partie raison, mais pas complètement ?
Oui, juste, bon, je ne suis pas spécialiste de ça, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que les gens qui essaient de construire des théories unitaires, c'est ça dont tu parles, ont beaucoup de problèmes, parce qu'il est très difficile de construire des théories de ce genre sur un espace courbe. C'est pour ça que les gens étaient aussi distants depuis toujours, n'est-ce pas ? Il est beaucoup plus simple de travailler sur des espaces plats. La mécanique quantique continue à travailler sur des espaces qui sont en gros plats. C'est du Minkowski, mais c'est plat avec le cône, mais ça, on sait encore faire. Mais lorsque l'espace est courbe, la mathématique et les liens avec la physique sont extrêmement difficiles. Et c'est un travail de matheux. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des difficultés essentielles. Mais j'en sais pas plus. Je travaille pas là-dessus. Bah moi non plus, donc je vais donner mon avis aussi. Donc, j'ai pas l'impression que les gens qui travaillent actuellement sur ça, sur les ondes gravitationnelles et sur leur détection, se posent les questions que tu poses toi. C'est des questions qui vont venir, effectivement. Et en particulier, si on s'aperçoit que les ondes gravitationnelles qu'on détecte ont des propriétés qu'on comprend pas, genre si on s'aperçoit, je sais pas moi, que par exemple, elles ont une vitesse qui n'est pas égale à la vitesse de la lumière, par exemple, là, on pourra commencer à se poser des questions plus profondes, mais... Là, j'ai l'impression que le but, c'est quand même déjà donc, de détecter ces ondes pour sûr, donc ça, je pense que c'est fait, et de s'en servir pour faire une nouvelle astronomie et détecter des nouveaux objets. Non, moi, je ne parlais pas de ça, je parlais de la construction vraiment théorique d'une théorie unitaire. Et à ce moment-là, en fait, comme la relativité générale marche si bien, on est obligé d'en tenir compte. Et comme on n'a pas de théorie, disons, minkowskienne, euclidienne, si vous voulez, de la gravitation, on ne sait pas s'en passer. Et donc, il faut construire, et d'ailleurs, il y a des gens qui s'en chargent, moi, je parle mathématiques, là, hein, je ne parle pas du tout du lien avec la physique, les cordes et toutes les théories qui vont avec, les gens travaillent là-dessus. Mais c'est très difficile de passer, on le voit en relativité générale, je vous ai dit, la seule observable sérieuse qu'on ait, c'est le temps propre. C'est pour ça que je suis maniaque. Hein, c'est le temps propre. Bon. Et au niveau des cordes, etc., c'est très, très difficile. Ça va être, et sans doute pour longtemps, difficile de construire une théorie mathématique qui, si vous voulez, peut donner des observables. Mais des observables, ça veut dire des choses qui sont invariantes, hein, comme le temps propre. Bon, c'est pas simple à faire, quoi. Je veux dire, c'est un gros travail et pour l'instant, on en sort guère, mathématiquement parlant. Au niveau des physiciens, il y a beaucoup de sortes de physiciens. Hein. Vous avez les gens qui font de la physique mathématique. Hein. C'est des matheux qui essaient de faire le point avec les physiciens. Leur dis pas que c'est des matheux. Mais si, ce sont des matheux. Mais la relativité générale, aujourd'hui, c'est accepté. C'est avant tout une théorie mathématique. Et les mathématiciens, ils prennent... Penrose est un mathématicien. Excellent. Mais c'est un mathématicien, mais qui fait, c'est un physicien, maths physique, quoi. Et c'est très important qu'on fasse des maths aujourd'hui et qu'on fasse le lien avec la physique, et c'est pas simple. C'est ça la question vraie. Je veux dire, à part ça, on fait des petites choses. Une autre chose qu'on n'a pas dite, qui me revient là, c'est que ce qu'on n'a pas, par exemple, pour la détection des rayons lumineux, c'est justement une théorie qui combine la gravitation et les phénomènes quantiques sur lesquels on s'appuie pour détecter. Il faudrait une théorie globale. Donc, on est obligé de prendre des bouts de ficelle, d'une certaine manière, de faire des modèles, mais qui ne sont pas des modèles qu'on a testés ailleurs. Je veux dire, théoriquement, c'est mal fondé, d'une certaine manière. Hein. Je veux dire, le récepteur, on n'a pas de théorie du récepteur, vraiment. Hein. On a des idées et on se débrouille. On fait ça un peu avec des bouts de ficelle. Hein, c'est pas comment bien assis théoriquement, voilà ce que je veux dire. Ça veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire qu'on n'a pas une théorie qui permet, en partant de tous les schémas et sur les approximations qu'il faut, pour revenir à la réalité. On n'a pas ça. On n'a pas, parce qu'il faudrait une théorie unitaire, en fait, pour faire ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des doutes en fait sur la théorie des trous noirs? Est-ce que les trous noirs sont vraiment décrits exactement par la fameuse solution de Schwarzschild Alors là, je vais répondre. D'accord. Oui, je vais répondre parce que c'est une question que je me posais dans les années 70 et j'étais pas le seul. J'y croyais pas. Personne n'y croyait en France, personne n'y croyait à l'étranger. Il y en avait simplement quelques hurluberlus comme Penrose et d'autres qui y croyaient. Comment j'ai été convaincu? Mais c'est pas très compliqué en fait. Hein. C'est quand justement on fait de la physique. C'est tout simplement, si vous voulez, que si ce
cet appareil est en équilibre sur cette table, c'est qu'en fait, il est pris par la force de gravitation, ou moi, tout simplement, hein, ce n'est pas le cas dans une piscine, d'ailleurs, je suis pris d'une part par la force de gravitation, et d'autre part, je suis soutenu par les forces de cohérence de la matière. Ces forces, on les appelle équations de compressibilité. Alors, il y a une équation pour l'eau, c'est pour ça que vous pouvez vous noyer, on passe à travers. Il y a une équation pour le sol, etc., il y a une équation pour un tas de choses. Mais les équations, elles sont connues, hein, et elles sont ce qu'elles sont. Je veux dire, elles peuvent résister à telle force et pas à une autre. Or, en gravitation newtonienne, vous avez un terme qui est fondamental, c'est M sur R, la masse sur le rayon. C'est-à-dire que si vous avez une masse qui est, disons, comment dirais-je, extrêmement importante et très, très petite, si vous l'augmentez, M augmente. Et vous pouvez vous en approcher de plus en plus. Donc R diminue, donc M sur R grandit. Quand M grandit, M, la force grandit. Quand R grandit, diminue, ça grandit aussi. Donc cette force, elle peut être infinie. Et donc, il n'y a pas d'équation d'état, il n'y a pas d'équation de compressibilité qu'on puisse imaginer qui puisse résister à l'effondrement. C'est-à-dire, si la force est infinie, qu'est-ce que vous voulez faire pour vous retenir? Il n'y a pas de solution. Et ça, ça a été la grande question. Hein. Et c'est justement là, moi, que j'ai été convaincu, je me suis dit, il n'y a rien à faire. Le collapse, c'est-à-dire l'effondrement gravitationnel, est inéluctable. C'est vraiment de la physique avec les mains. Et ça, quand j'ai compris ça, j'ai changé ma casquette et j'ai compris que tous ces diagrammes dont je vous ai parlé étaient nécessaires. Hein. Donc les trous noirs, oui, sont absolument indispensables. Parce que ça s'effondrera. Je veux dire, il suffit qu'il y ait de la masse et la masse attire la masse et donc, voilà, ça s'effondre. Parce que les équations de compressibilité, aucune, hein, l'équation d'état des neutrons ne suffit pas, rien ne suffira. Jamais. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour comprendre que le collapse, l'effondrement, est inéluctable. Ça s'effondre. Bah oui, là, à moins que tu aies des arguments. Peut-être laisser la parole aux gens. Oui, je pense, oui. On va poser les questions, oui. Moi, j'ai une petite question à propos des objets qui tournent dans l'espace à quatre dimensions. Si j'ai bien compris, si les deux objets tournent à la même vitesse, on peut parler de quatre dimensions. Bon, vous avez tout à l'heure dit, il y a deux objets. Il y en a un qui tourne plus vite que l'autre. Et ça génère quelque chose. Oui. Est-ce que dans ces conditions, on est encore en quatre dimensions? Je ne pense pas avoir fait la relation entre quatre dimensions d'une part et puis deux corps qui tournent autour de l'autre d'autre part. Non, c'est une question additionnelle. Mais alors, je vais reformuler, je ne comprends pas votre question. Toi, tu l'as comprise? Non, mais je pense qu'il faut prendre d'un point de vue newtonien, tout simplement. Les vitesses sont déterminées. Oui. Les vitesses sont déterminées, si vous voulez, par les trajectoires. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est tout. Moi, il dit qu'il y a il y a accélération. Oui, non, mais il faut parler de trajectoire, ni d'accélération, ni de vitesse, c'est pas la peine. C'est un objet qui, à un moment donné, il bouge plus vite qu'un autre. Ma question, est-ce que nous sommes encore en quatre dimensions? Oui, vous n'êtes pas obligé de discuter de ça à quatre dimensions. En Newton, ça marche très bien. Donc, vous prenez pas la tête avec ça. Vous faites ça en Newton et ça marche très bien. Il n'y a pas besoin de la quatrième dimension pour ça. Il suffit de regarder les trajectoires des planètes et de la chute des corps. On dirait un médecin qui fait une ordonnance. Allez, un petit newtonien. Le matin, oui. Un soir. Une autre petite question, c'était par rapport au trou noir. Une fois, je pense avoir compris qu'un trou noir, quand il passe dessus comme ça, il tombe, il ne remonte jamais. Ah oui, exact. Absolument. Absolument, ça avale tout. C'est pour ça que ça grossit. Et c'est pour ça que la masse peut devenir très importante. On n'en ressort pas. On n'en ressort pas. Bonjour. J'ai eu le plaisir de lire la publication qu'il y a eu en février sur l'IGO et la détection. Publication qui m'a frustré parce qu'il y a très peu de choses en fait dedans. Il y a une magnifique courbe sinusoïdale qui ressemble à votre démonstration de tout à l'heure. Et à la fin de la démonstration, on dit
Ces deux masses, enfin ces deux corps effectivement qui tournent, on peut le supposer par la forme de la sinusoïde. Et puis on dit ça fait 35 masses solaires pour l'une et 18 pour l'autre. Et là, ça reste très frustrant parce que je me demande comment à partir d'une courbe, sans rentrer dans le détail, on peut extrapoler ce type d'événement. Ouais, je comprends la frustration que vous exprimez. En fait, il faut bien réaliser que la courbe qu'on vous a montrée. Donc je ne vais pas prendre le temps de la mettre quelque part, mais c'est quelque chose qui, alors je vais faire dans votre sens à vous, qui au cours du temps, ça fait comme ça, puis de plus en plus serré pour finalement s'arrêter. Donc quelque chose qui s'accélère comme ça. Cette forme-là, elle est extrêmement spécifique. Deux trous noirs de masse différente donneront une forme un petit peu différente. Et déjà, cette forme-là, il n'y a rien d'autre que des trous noirs qui peut la faire. Voilà. Et ce qu'on arrive à faire, c'est faire des calculs. Idéalement, on aurait tout un tas de petites mains, on va appeler ça des thésards, qui font des calculs avec. Il y en a un qui prend une masse solaire, plus de masse solaire, ils les font tourner autour, ils regardent la courbe que ça donne. Un autre qui en prend deux et trois, etc. C'est des abacs, en quelque sorte. C'est plus par une analogie que par un calcul de démonstration. Non, c'est pas une analogie, c'est des abacs. C'est des abacs. C'est-à-dire qu'on a vraiment des courbes, on s'attend à voir tel type de courbe et chaque couple de trous noirs avec des masses données correspond à un abac. Et on regarde quel abac correspond au signal qui a été observé. Un abac, c'est ce qu'utilisaient avant les ingénieurs. C'est une courbe calculée à l'avance qui vous permet de reconnaître une autre courbe. Voilà, votre abac, vous le mettez sur une courbe. Ah bah tiens, ça c'est une parabole avec tel paramètre. On peut parler de signature aussi, non ? Oui, on peut aussi parler de signature, oui, tout à fait. C'est compréhensible. Oui, merci, ça répond bien à la question. Puis, la deuxième était peut-être plus simple. J'avais lu quelque part qu'il y avait aussi une polarisation des ondes gravitationnelles, mais vous êtes resté, je ne sais pas si... Effectivement, mais je propose qu'éventuellement on en parle après. Non, ça va prendre 10 minutes et ça peut être assez technique, la question de polarisation des ondes gravitationnelles, mais on en discutera. Moi, j'avais une question au sujet de l'amortissement d'une onde gravitationnelle. Parce qu'on sait que les ondes de mécanique, on sait comment s'amortissent les ondes mécaniques, mais est-ce qu'on sait comment, est-ce qu'il y a une loi physique ou mathématique qui... Oui, alors bon, c'est un point assez académique dans la mesure où les ondes gravitationnelles sont très, 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 très peu amorti dans le monde qui nous entoure, mais en toute rigueur, une onde gravitationnelle qui met en mouvement des corps sur son passage pourrait donner lieu à l'émission elle-même d'ondes, une sorte de diffusion, mais ça marcherait pour des... Enfin, ça se produirait de manière appréciable que pour des corps dont la taille est de l'ordre de la longueur d'onde de l'onde gravitationnelle pour une part, et en amplitude, c'est vraiment extrêmement, extrêmement faible. Oui, si je peux me permettre, c'est aussi lié à la distance, ce n'est pas un amortissement, mais étant donné que, si vous voulez, l'énergie va se répartir sur des distances, plus vous vous éloignez de la source, ça doit diminuer en 1 sur R2. Oui, pardon, j'étais resté sur le mot amortissement, mais c'est probablement à ça que vous faisiez allusion, pardon. Atténuation, on va dire. Je me permets d'intervenir, je ne sais pas ce que c'est qu'un amortissement. D'accord, ce qu'on appelle un amortissement pour une onde, c'est une onde qui devient de plus en plus faible. Voilà. C'est pas long. Voilà. Oui, non, mais merci de me faire préciser, tout à fait. Et juste en ce qui concerne sa polarisation, est-ce que les équations d'Alembert, par exemple, elles peuvent intervenir L'équation de D'Alembert ? Oui. Enfin, ça n'a pas trop de rapport avec la polarisation, a priori. Mais ça aussi, c'est très technique, on pourra aussi en parler. On fera une classe à côté de polarisation et points très techniques. Non, mais... Ça ne sert à rien que je parle des équations d'Alembert pendant 10 minutes maintenant. Quoi. D'accord. C'est une très bonne question, mais plus tard. Merci. Oui, excusez-moi. Dans votre plaquette, donc... C'est pas la nôtre. D'accord. La théorie d'Einstein n'est pas compatible avec la physique quantique. Compatible, est-ce que c'est au sens où soit l'un soit l'autre a raison, hein, pour simplifier, ou alors ils ne parlent pas de la même chose ?
Ils ne parlent pas de la même chose, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Donc, ce n'est pas compatible au sens commun où nous l'entendons. Hein. Non. C'est bien ça. Elle n'est pas construite pour ça, si vous voulez. C'est une théorie de la gravitation, et puis il y a les théories quantiques, et c'est d'autres espaces. Ce n'est pas des espaces courbes. C'est un petit peu le point que je traitais tout à l'heure. Ceci dit, elles ne peuvent pas être correctes en même temps. Elles ne peuvent pas être absolument correctes en même temps. Oui, elles n'ont pas le même champ. Voilà. Voilà. C'est plutôt de. Je veux dire, c'est la cosmologie, c'est les grandes distances. C'est pas à courte distance, par exemple, on a très peu d'expérience sur la gravitation à très courte distance. C'est une des questions. Hein, et au niveau quantique, on ne sait pas ce que donne la gravitation, hein, que je sache. Parce que je suis très ignorant. Il y a deux semaines environ, j'écoutais sur France Culture une femme, une physicienne fameuse française, dont j'oublie le nom. Ah bah bravo. Qui disait de façon très, très certaine que la physique quantique ne saurait être remise en question, enfin, que c'était une espèce d'acquis. Bon. Voilà. Mais ce sont deux mondes différents, voilà, c'est ça. En effet. Elle ne peut pas être remise en question, ça c'est bien, bien vite dit. Elle marche très bien, d'accord. Mais le jour où il faudra faire une théorie unitaire, tout le monde devra donner la pièce. Hein, aussi bien la relativité générale que la physique quantique, ça ne sera plus du tout le même monde. Donc, elle sera remise en question comme tout le monde. J'ai un peu de teaser, c'est le thème de la troisième table ronde le 5 décembre. Donc, voilà. Vous avez dit tout à l'heure que rien n'allait plus vite que la lumière. Mais si on prend une onde électromagnétique... Il y a des ondes électromagnétiques qui vont plus vite que la lumière, des ondes. Alors, non. À vous. Non, si vous pouvez préciser ce à quoi vous pensez. Parce que pour moi, la lumière, ça peut être considéré comme un corps aussi. Alors la lumière, elle va à la vitesse de la lumière, on est bien d'accord? Voilà. Ok. Rien ne va plus vite, on est d'accord. Oui. Et c'est vous qui n'avez pas l'air d'accord, en fait. Non, oui, moi, je ne suis pas trop d'accord, ça va. Mais quel contre-exemple vous avez en tête? Je ne sais pas, on peut faire des... Il me semble qu'il y a eu des expériences où il y a des ondes qui ont été plus vite que la lumière. Non? Alors je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Tu sais, c'est quand tu as l'effet tunnel, il y a 10-15 ans. Alors là, le problème est extrêmement complexe, c'est que, ouais. Effectivement, si c'est ce à quoi... Il y a eu des expériences qui ont pu... laisser penser que ce que vous dites est vrai, et en fait c'est en partie la formulation qui pose problème. Dans ces expériences, on a en gros une sorte de vague qu'on amène sur une barrière. La vague traverse la barrière et on a l'impression que la vague a mis un temps supérieur inférieur à celui que mettrait la lumière pour traverser le... Vous n'avez rien compris. Ok, c'est normal. Okay, moi j'ai du mal déjà, mais bon. Et une des grosses questions qu'il faut se poser, c'est la forme de la vague. Comment on dit où est la vague? Parce que pour connaître la vitesse de la vague, il faut se dire où elle est au début, où elle est à la fin. Et quand on se pose la question de la position d'une vague, c'est super compliqué. Une vague, c'est un truc étendu. Elle n'est pas là, elle est partout. Donc il y a vraiment des subtilités très fortes sur la manière de localiser ces vagues-là. Et quand on le fait mal, on a l'impression qu'effectivement, des effets quantiques conduisent à des vitesses supraluminiques. Grande que la vitesse de la lumière. Oui, pour reprendre ton exemple, la vague, si vous voulez, si vous avez un bouchon dans la vague qui ne bouge pas dans la vague, lui, il n'ira pas plus vite. Hein? Donc, ce qui bouge, c'est l'onde, mais ce ne sont pas les particules de l'onde. D'accord, ce qui bouge, c'est l'onde, mais la lumière... Pas les particules qui sont, voilà, qui exactement. La vague. Voilà, donc, je vois à peu près... Alors, ouais. Je ne suis pas sûr que vous parlez de la même chose, mais... ça dépend où on se place. Ça dépend si on se place. Si on dit que la lumière, c'est corps et onde, donc... Non, personne n'a dit que la lumière est corps et onde. Hein. Corps ou onde, ça dépend où on est, voilà. Corps et onde. Comme ça, corps et corps onde. Corps ou onde. Corpuscule, voilà. Corpuscule ou onde, voilà. Corpusculaire. Oui, regardez pas tout ça. Corpusculaire ou onde. Non, c'est un peu différent. Le mot corpuscule, il a une définition effectivement très, très claire. Le mot corps, beaucoup moins. Ça évoque plus de la matière et tout ça. Donc, corpuscule, je tique moins. Petite dernière question. Pourquoi on dit onde gravitationnelle? Pourquoi on dit gravitationnelle? Vous auriez envie de dire quoi? Onde venant du... une force d'un trou noir, mais pourquoi gravitationnel? Non, c'est pas forcément venant d'un trou noir, ça peut venir de plein de trucs. Encore une fois, là, je fais une onde de ce type-là. Et c'est une onde qui se manifeste par ses effets gravitationnels.
Donc le mot, il semble assez, assez naturel. Je n'ai jamais vu, je crois, d'alternative à ça. Vous en connaissez, vous, ouais, non, non, on pourrait parler d'ondes de l'espace-temps. C'est l'espace qui bouge. Ah ouais, l'onde de l'espace-temps. Ouais, c'est bien ça. Ouais, ouais. C'est pas la gravité et la cause, mais c'est l'espace-temps qui bouge. Donc, c'est les ondes de l'espace-temps. C'est l'espace-temps qui flotte, qui vibre. Bonsoir et merci à l'ensemble des intervenants. J'ai deux observations concernant Albert Einstein. La première est d'ordre épistémologique. Là, comme vous avez dit, un peu dans un esprit qu'on peut qualifier d'héraclitéen, que tout passe, tout disparaît, tout sera dépassé, il y a une fin à tout. Et dans cet esprit-là, même la théorie d'Einstein pourrait être un jour, enfin, il y a d'une forte probabilité qu'elle serait dépassée. Il y a déjà ça, mais j'ai l'impression que du vivant même d'Einstein, disons, sa philosophie, ou du moins sa philosophie plutôt que sa théorie, s'est un petit peu lézardée. Notamment quand il a tenté d'unifier toutes les lois de la physique dans un esprit unitaire. Et tout le monde sait que ça a été un éléphant blanc, enfin, ça a été un flop. Il s'est heurté à un mur et ça n'a rien donné pour la suite. Bon, ça, c'était la première observation. Oui, peut-être je peux déjà répondre à la première question, sinon on va se perdre. Oui. Que la théorie de la relativité générale soit mortelle, Einstein l'a dit déjà dès 1914. Hein, et c'est banal. Je veux dire, toutes les théories sont mortelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours de nouvelles expériences, etc. En tout cas, elles peuvent être mortelles. Ce n'est pas la vérité. Et en fait, comme la théorie de la relativité générale ne s'intéresse qu'à la gravitation, nécessairement, le jour où on voudra, et c'est le cas aujourd'hui, faire une théorie globale des interactions gravitationnelles et, disons, nucléaires, on sera obligé de modifier la relativité générale. C'est évident. C'était évident pour Einstein, et ça répond à la deuxième partie de votre question. Einstein, à partir des années 20, s'est en effet intéressé avant tout à une théorie unitaire de l'électromagnétisme et de la gravitation. Et en effet, bah, il a fait des travaux quand même sur lesquels on continue à travailler. C'est des idées qui n'étaient pas idiotes, mais il n'y est pas arrivé. D'accord. Alors la deuxième observation, c'est plus, c'est plus d'ordre plus physique que philosophique. C'est quand vous avez parlé bien sûr des pères fondateurs de l'astrophysique relativiste. Et vous avez fait un peu, à mon sens, vous avez fait allusion à Big Bang, mais sans trop vous étendre là-dessus. Alors, justement, à ce propos, dans les théories de l'expansion de l'univers qui s'en est avec Hubble, Einstein avait déjà s'acharné à penser que l'univers est statique. Oui, à ce propos, il a introduit la fameuse constante cosmologique, qui, paraît-il, il a fini par reconnaître son erreur. Oui. Mais il semblerait que les astrophysiciens de nos jours s'en servent encore, mais dans d'autres usages. Vous pouvez nous toucher un petit mot là-dessus ? Oui, sur la constante cosmologique. Il a prétendu que c'est la plus grande erreur de sa vie. Bon, et en effet, vous avez parfaitement raison, vous avez fort bien exprimé les choses. C'est parce qu'il pensait à un monde statique qu'il était obligé, si vous voulez. Alors, c'est assez curieux qu'il ait pris un monde statique. Hein, on se demande pourquoi. Alors, une chose qui est curieuse en cosmologie, d'abord, c'est que dans ses premiers modèles, dès 1912, il fait des modèles cosmologiques, on prend une matière absolument isotrope et homogène. Hein, et je veux dire, c'est encore le cas aujourd'hui et ça fonctionne. Moi, ça m'a toujours surpris que ça continue à fonctionner. Mais bon, donc c'est sur un modèle de ce genre, mais statique, qu'il a posé. Alors pourquoi il a posé ces... il y a une raison évidente, c'est par simplicité mathématique. Les équations de champ, vous en avez vu une petite image tout à l'heure, mais je ne vous ai pas donné les pages de calcul que ça exige. On pouvait résoudre
un modèle, si vous voulez, qui était complètement homogène, parce qu'il est partout le même, donc les équations sont assez simples. Ça simplifie beaucoup le problème. Donc, il a trouvé sa solution, qu'on appelle solution d'Einstein. Et un peu plus tard, De Sitter, qui est un astronome néerlandais, a trouvé une autre solution et qui a posé beaucoup de problèmes et qui est une des questions de la relativité générale. C'est une théorie, si vous voulez, une solution qui est vide et qui est courbée. Et ça, j'ai parlé du principe de Mach tout à l'heure, pour Einstein, c'était insupportable. Il a tout fait pour essayer de détruire la solution de Sitter, mais il n'y est pas arrivé. Et le problème de singularité va avec, etc. C'était très compliqué. N'empêche qu'il existe des solutions de la relativité générale qui sont courbes, mais vides. Et pour Einstein, c'était insupportable, parce que la matière crée, si vous voulez, la structure de l'espace. Voilà. Bon, donc je pense que j'ai répondu à votre question. Pardon ? Ah, la constante cosmologique, j'oubliais. Alors, donc, il a introduit la constante cosmologique. Alors, ce qui est important pour la constante cosmologique, c'est que mathématiquement, si vous voulez, c'est la seule constante, vu les hypothèses qu'Einstein a faites, c'est la seule chose qu'on puisse ajouter à sa théorie, sinon elle est fermée, si vous voulez. C'est une théorie qui est vraiment rigide. C'est-à-dire qu'on peut, on peut rien y toucher, sinon il faut faire autre chose. En effet, lui, il s'en est désolidarisé, mais par exemple, Lemaître, et c'est une des raisons de son animosité par rapport à Lemaître, s'en est servi. On a trouvé des solutions avec constante cosmologique, et ça a beaucoup d'importance aujourd'hui. Parce que c'est la seule chose qu'on puisse, si vous voulez, c'est le seul maillon à la chaîne qu'on puisse ajouter. Et c'est lui qui l'a trouvé, comme par hasard. Et donc on s'en sert beaucoup, il n'y a pas de raison de ne pas prendre la constante cosmologique qui permet d'élargir le champ et qui pose pas mal de problèmes mathématiques complexes avec des solutions justement. C'est que la relativité générale permet plein de solutions bizarres qu'on travaille et qui ne sont pas physiques, alors que la théorie de Newton, on ne peut pas dire ça. C'est pour ça que c'est une théorie compliquée, parce que à chaque distribution de matière, à chaque hypothèse, vous avez un nouvel univers d'une certaine manière. Il y a l'univers de Schwarzschild dont je vous ai parlé, il y a l'univers de Robertson, il y a l'univers de Sitter, il y a l'univers d'Einstein, et il y en a bien d'autres, avec des problèmes qui sont très difficiles, les gens travaillent dessus. On a plein de contre-exemples, à plein de choses, enfin, c'est une mécanique très complexe. Mais il n'y a aucune raison de se passer de la constante cosmologie. Alors, si je peux me permettre, il ne s'agit pas de s'en passer ou pas comme un truc qu'on prendrait dans le frigo, quoi. C'est qu'il y a une propriété importante d'un univers qui serait effectivement décrit avec une constante cosmologique, c'est que l'expansion de l'univers serait accélérée. Et effectivement, en 98, on a observé qu'on vit aujourd'hui dans un univers dont l'expansion, le fait qu'ils viennent de plus en plus grands, est accéléré. Donc ça vient de plus en plus grand, de plus en plus vite. Et ça, on ne peut pas, aujourd'hui, le seul moyen qu'on a de le comprendre, c'est effectivement de prendre en compte ou bien cette constante cosmologique ou quelque chose qui s'en rapproche. Mais c'est ça qui l'a remis un petit peu au goût du jour. Et même dans toute la cosmologie des années 80, les gens avaient des bonnes raisons d'invoquer cette constante cosmologique. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Tu parles du point de vue physique, moi je parlais du point de vue mathématique. Et du point de vue mathématique, il n'y a aucune raison de s'en passer, c'est tout. Bonjour. En fait, je voulais savoir quel est l'ordre de grandeur de la fréquence d'une onde gravitationnelle, enfin celle qu'on a découverte. En fait. Alors, elles sont... Ça doit être la dizaine ou centaine de hertz, centaines de hertz, quelque chose comme ça, parce qu'on peut passer le son, en fait. Je peux vous le faire, ça fait... Là, vous avez entendu une onde gravitationnelle passer, là. Donc, c'est l'audible. Oui. On va prendre deux dernières questions. Mais après, des ordres gravitationnels, il y en a de toutes les fréquences possibles. Voilà. Bonsoir. J'ai une question un peu pragmatique. En fait, je me demandais exactement au niveau technologique, qu'est-ce qui s'est passé entre Weber et nous. Et exactement comment, avec des machines, bien sûr, on est arrivé à pouvoir détecter les ondes vraiment au niveau des machines, des technologies. Et les contraires aussi. Donc, est-ce que vous pouvez me faire quelques exemples des... innovation technologique qui s'est arrivée par rapport à la recherche de la théorie de la
naturelle. Ah ouais, c'est une excellente question, effectivement. On oublie souvent ce pan technologique à la question, mais il est énorme, effectivement. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais immédiatement comme ça, je peux vous donner au moins deux choses qui ont évolué depuis Weber. Un, l'informatique, même si Weber lui-même utilisait des ordinateurs, mais les ordinateurs des années 60 ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Et ce qui va avec, c'est le traitement du signal. Il y a aussi, alors ça touche les mathématiques, ça touche la physique aussi, mais on sait aujourd'hui, on a des moyens aujourd'hui extrêmement puissants d'aller piocher dans du bruit quelque chose qui nous informe, qui contient de l'information, ce qu'on appelle le signal. Le gros problème des manipulations, des expériences genre Virgo et Ligo, c'est pas de détecter un petit 8, c'est qu'on entend 8 dans un bruit monstrueux. Avec des camions qui passent, avec des tremblements de terre, les gens qui marchent, voilà. C'est d'arriver à prendre le signal et l'extraire du bruit. Donc ça, avec les ordinateurs et des méthodes mathématiques de traitement du signal modernes, ce sont deux choses qui ont rendu possible ça. Il y a aussi les communications du coup entre deux expériences à distance. Pour ces miroirs dont je vous ai parlé là, ils sont tenus par des systèmes anti-vibration aussi, parce qu'il ne faut pas que les miroirs vibrent. Là aussi, il y a tout un tas de technologies des matériaux. On connaît mieux les matériaux, la manière dont ils vibrent, leur rigidité, tout ça. C'est monstrueux effectivement la technologie qu'il y a derrière. Ouais. Ouais. L'autre dernière question. Ah, je fais la dernière question. Alors, moi, je me demande, qu'est-ce que vous pensez de la théorie de l'origine anthropique de la gravité? Je crois que c'est un physicien néerlandais qui l'a sorti avec quelques autres. Oui, alors non, pas, c'est une autre question. Ça vous gêne? Non, c'est pas que ça. C'est que, enfin, moi, j'ai rien d'intéressant à en dire. J'y connais rien. Okay. Et je pense qu'on sort largement du cadre. Mais après, non, peut-être que vous avez... On peut aussi en parler, mais je pense que c'est pas une bonne manière de terminer le truc. Il y avait un monsieur que j'ai censuré pour une dernière question, c'était vous. Et je suis désolée, ça sera vraiment ça sera la dernière, monsieur. Le retour. On ne peut pas faire parler tout le monde, vous êtes trop bavard. Alors, moi, c'était par rapport à la notion de temps. Vous parliez d'une distance qui se transforme en temps. Et quelle est la valeur du temps, du coup, si... Elle est relative. Oui, le temps est relatif. À chacun. À chacun. Votre montre vous donne votre temps. Du coup, toutes les expériences doivent être sur le même temps. Il faut raccorder tout ça. Et justement, la théorie de la relativité restreinte le fait d'une part, et la théorie de la gravitation aussi, c'est raccorder tous ces temps. Hein? En fait, ce qui compte, c'est le temps propre et les événements. Un événement, ça, c'est un événement, un choc. Hein? Et donc, toutes ces trajectoires, celles de la table et de mon doigt, et les temps de la table et de mon doigt, il faut se débrouiller pour les raccorder. Et ça s'appelle un atlas, et c'est tout un boulot à construire. Et c'est pour ça que je vous avais fait une figure à laquelle vous n'avez rien compris. Moi non plus, d'ailleurs. Alors, il me reste, je monte, à remercier... Non, vous vouliez dire un dernier ? Non. Donc, il me reste à remercier très chaleureusement nos trois intervenants de ce soir. Donc, Laurent Sacco, modérateur, Richard Taillé et Jean Eisenstedt. Alors, juste deux, trois neurones pour moi. Un, venez à la bibliothèque voir la sélection de livres de nos collègues. Deux, vous retrouverez ça sur le site, puisque toutes les captations, toute la soirée a été captée, donc il y a une vidéo qui aura été faite. Merci à nos techniciens. Donc vous les aurez sur aussi YouTube, Dailymotion, comme ça permettra de repasser certains passages au besoin. Je vous invite à revenir le 7 novembre, donc pour la suite du cycle, la deuxième table ronde est sur l'énergie noire, et le 5 décembre, ce sera sur la fameuse théorie unitaire dont on parlait tout à l'heure. Donc encore merci à vous trois, et très bonne soirée à vous. Merci à vous.